va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 avec aujourd'hui Caroline Diamant, ouais, Titoff, ouais, Stevie Boulet, ouais, Jérémy Michalak, ouais, et Pierre Bénichou. Ouais. Oui, on a la grosse mignonne. On a rangé Claude Sarraute hein, depuis hier. Mais moi, elle est déchaînée, Claude. Elle m'a épuisé, quoi. J'ai plus d'énergie, je suis vidé, moi. Elle nous a tués tous hier. Claude Sarraute nous a tués. Mais elle me fait peur parfois. Elle était insupportable, d'une méchanceté. Il faut que nos auditeurs le sachent. C'est peut-être une des personnes les plus foncièrement mauvaises. On a des nouvelles ou pas? Non. Je pense pas qu'elle ait pu dormir. Elle devait être totalement sous amphétamine, c'est pas possible. Non, mais elle était mignonne. Écoutez, moi, j'étais de l'autre côté de mon mignonne. Poste. Mignonne. Hein. Oui, enfin, j'étais pas autour de la table. J'étais comme les auditeurs. J'étais chez moi, je l'écoutais. Ouais. Et vraiment, je l'ai trouvée déchaînée. Parfois, j'avais peur, honnêtement, qu'elle finisse pas sa phrase. Au vrai non, sens non, du non, terme, c'est vrai, qu'elle c'était... finisse pas sa phrase. Quoi. C'était là, quelque chose. Elle nous a fait une émission cocaïne. Alors que Monsieur Sarkozy nous a fait une intervention Prozac. C'était grave. C'est le contraire. On dirait que toute l'énergie qu'avait Sarkozy, c'est elle qui l'a prise. Tu comprends ? Vous me signalerez quand vous serez prêt, Titoff, hein, surtout. Combien de temps vous mettez à vous installer autant ? Alors, non, mais c'est incroyable, regarde-moi ça. Alors... Combien de temps vous mettez pour renverser votre verre ? Regarde-moi ça, cette grosse loche. C'est pas parce que Claude Sarraute a traité de grosse mignonne. Il ne rien dire toute l'émission d'hier. Tu vas pas me traiter de grosse. Vous savez qu'on fait une émission en ce moment au cas non, où. Non, mais encore. Donc, ça arrive peut... quand même. Ça arrive des fois de renverser quelque chose. Voilà. Oui, on peut dire n'importe quoi, raconter les petits détails de sa vie et tout comme ça, à condition que ce soit drôle. Mais c'est un ennui fétide. Kevin est au téléphone, heureusement, pour nous sauver de cette situation. Bonjour, Kevin. Bonjour Laurent. C'est à Stevie que vous voulez parler, je crois. Oui, en effet. Ah, parce qu'est-ce que j'ai fait lors de votre émission de lundi, vous avez posé une question. En 20 ans, on en a compté 17. Et de quoi s'agit-il? C'est vrai, ma question c'était précisément, en 20 ans, on en a eu 17. De quoi je parle? Et en fait, Stevie a répondu le Premier ministre. Et alors tout le monde, et vous le premier d'ailleurs, vous lui avez sauté dessus en disant qu'il y en a eu beaucoup moins que ça. Et en fait, vous pouvez présenter vos excuses à notre ministre du bonheur, puisqu'apparemment, qui d'ailleurs lui-même a échappé au remaniement, apparemment, puisqu'en fait, il y a eu 12 ministres en 20 ans et 21 gouvernements différents. Donc finalement, c'était pas si stupide que ça, sa réponse. C'était pas si stupide, c'est vrai, mais la réponse était quand même l'argot winch. Donc ça n'a aucun rapport, vous êtes d'accord, ouais, Kevin? Merci, Kevin. Par contre, on a compris que tu étais complètement amoureux de Stevie, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, ça n'a rien à voir. Kevin, vous êtes gay? Oui. Ah, ben voilà. Mais attendez, ne sous-entendez pas que tous les gens qui aiment Stevie sont gays. Non, c'est j'ai cas, des mamies mais... qui sont totalement hétéros. Non, mais des mamies totalement hétéros. J'ai des pompiers. Il manquerait plus que vous n'ayez que des mamies lesbiennes. Non, mais j'ai des pompiers, non, mais j'ai totalement... des flics. Oh, bah, les pompiers. J'ai des magistrats. Non, je tape dans des magistrats, bah, tu m'étonnes. Je tape dans tout corps d'État. Ah oui, tu m'étonnes. Il donne dans tous les corps. Dans tout corps, tout court. Merci, Kevin, en tout cas, pour votre soutien à Stevie. Ça nous fait plaisir. On vous applaudit. On vous embrasse. Merci, Kevin. Bisous. Merci Kevin, bisous. Robert, lui alors, Robert, il nous a écouté parler de Monoprix hier. Bonjour Robert. Bonjour. Alors, vous aviez envie d'appliquer les slogans Monoprix qui, sur chaque produit maintenant, ont mis des petites phrases rigolotes, de faire la même chose avec les gens de l'équipe, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, allez-y, je vous écoute. Attention, on va se marrer. Pierre, j'ai vu que ça vous avait bien plu hier, donc je me suis d'abord attaqué à vous, en fait. Ah oui, alors, Pierre, c'est quoi comme produit? Alors, Pierre Bénichou, c'est un oignon. Et il y a quoi d'écrit? Si sexy que quand il se déshabille sous tes yeux, tu pleures. Ah. Pas mal. Très bien. Oui, c'est pas mal. Stevie. Alors, Stevie, c'est une bouteille de ketchup. Parce que si tu lui tapes un peu les fesses, il crache sa sauce. Oh. Non, mais du temps, un oignon aussi. C'est genre, du temps, je ne sais pas ce que je préfère. Votre absolu manque de sens de l'humour ou votre vulgarité, mon vieux. Gérard Miller, il a un produit, Gérard. Oui, alors Gérard, c'était facile. Hein. Gérard Miller, c'est de la vodka, puisque la porte dose, c'est Soulan. Très bien. Christine Bravo, c'est quoi? Alors, Christine Bravo, c'est un artichaut. Oui. Quand on a fini de l'effeuiller, on a plus envie de la manger. Oh. 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 Et moi j'ai le droit aussi alors. Oui alors
alors vous, bon, c'est un peu facile, mais donc Laurent, vous êtes une saucisse de Toulouse. Une saucisse de Toulouse, pourquoi ? Oui, parce que comme le cassoulet, c'est entouré d'une belle bande de failleux que vous êtes le meilleur. Ah ouais. C'est pas mal quand même, hein, Robert. Merci. Monoprix va vous engager ? Non, mais en fait, ce sont les vraies phrases de Monoprix, ça ou pas ? Non, non, c'est moi qui les ai trouvées hier dans ma voiture. Eh bien, écoutez, vous êtes engagé par... Elles sont meilleures. Elles sont bien meilleures que celles Elles de sont bien meilleures. Franchement, non, c'est pas mal. Bravo, Robert. Merci. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Il n'avait pas une voix, il s'appelait Robert. Non. Nicolas, lui. Alors, Nicolas, il a une blague sur deux vieilles dames. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Alors, allez-y, je vous écoute. Je vais le faire avec l'accent belge parce que je suis belge. Ah bah oui, oui, oui. Est-ce que vous avez le choix? Ça n'a rien à voir. C'est pas à peine de le préciser, on va s'en apercevoir. Oui, je précise quand même. Okay. Donc, c'est deux vieilles dames, disons, c'est Claude Sarraud et une de ses copines. Elles sont sur un banc dans un parc public et elles racontent leur jeunesse, quoi. Elles se disent, oh, moi, mon Robert, c'était quand même un bon coup au lit, c'était terrible. Toute la nuit, c'était fantastique. Et l'autre qui dit, oh, moi, mon Marcel, enfin, il n'arrêtait jamais. Toute la nuit, ça y allait, et c'était fantastique. Et ouais, mais c'était le bon temps, ça, on ne sait plus faire ça nous maintenant. Ah non, c'est vrai, et Claude et sa copine discutent. Et là, il y a deux jeunes qui arrivent, deux jeunes amoureux, et ils vont là dans un buisson juste en face, et commencent à faire l'amour, et on voit la petite culotte qui saute, on voit le buisson qui... Et les deux vieilles... Arrête, on n'en peut plus. et alors, pas que les deux s'en vont, et les deux vieilles, Claude et sa copine, vont là avec leur canne, comme ça. Elles vont voir où a eu lieu les bas, quoi. Et t'as vu, ils ont dû faire ça comme ça, ils ont dû faire ça comme ça. Ah oh, ouais, et alors, il y a Claude qui lève avec sa canne, une capote chargée, comme ça. Et sa copine dit, t'as vu ça maintenant, les jeunes, ils doivent faire ça avec du plastique. Et en plus, il y laisse le meilleur. Alors écoutez, elle a un mérite, c'est qu'elle laisse à Titoff le temps de s'installer définitivement autour de la table. Merci. Mais alors, t'en as pas une deuxième? J'aimerais bien me cuisiner un petit cassoulet, tout ça, me faire des merguez. Vous êtes de quelle partie de la Belgique, Nicolas? Où il y a eu les inondations là récemment ce week-end? Pas la partie qu'ils vont nous donner. Non. Oh, l'autre. On vient vous voir en Belgique, là, très bientôt, début décembre. Nous serons à Bruxelles. Je retire ma vanne. Vous n'êtes pas sûr de faire partie du voyage, ou hein? Bah, si, vient de me poser la question. C'est quelle date, d'ailleurs, à Bruxelles? Je m'en souviens plus. Je crois que c'est le 2 décembre. Le 2 décembre, voilà. Je n'y serai pas. Ah, pourquoi, Pierre? Parce que je suis chez Sébastien. Comment ça, Pierre Bénichou? Tu as préparé un numéro? Je vais faire... Le plus grand cabaret du monde. Je vais faire le retour de... Mesdames et messieurs, Pedro l'acrobate. Le ventriloque. Je veux faire le réveillon de Noël le 2 décembre. Non, ben. C'est pas vrai. Ouais, mais tenue de soirée obligatoire, bande de ploucs. Nicolas, il m'a donné envie de m'inscrire au Langzou pour apprendre le belge. Parce que je n'ai rien compris à son histoire. Mais non, c'est parce que tu essaies de me tripoter les cuisses, honnêtement. Parce que... Oh, ça m'excite quand tu dis ça. C'est bon. La grosse mignotte, qu'est-ce qu'elle me fait? Désolé de dire à Stevie que les chocolats les pyrénéens ne sont pas des chocolats bas de gamme, me dit Monique. J'en ai pas parlé, je connais pas. Enfin, c'est pas des chocolats haut de gamme non plus, quoi. Ah ben... Oh, le chocolat pyrénéen, attention, mon petit gars. Tu vois, on confond nos voix, Jérémy, parce que c'est toi qui as dit ça. Non, il était pas là, c'est Florian Gazan qui a dit ça. Et vous aussi, vous avez surenchéri. Vous avez des voix banales. Vous avez banales. Même sur mon chéri. Non, mais moi, j'achète que des t'achètes chocolats. T'achètes Godiva ou Jeff de Brune? Non, ni l'un ni l'autre, mais un c'est... petit chocolatier local. Oh, moi aussi, ouais, j'adore. Ouais, j'ai un chocolatier, un artisan, il est formidable. D'ailleurs, quand je vais le voir, je dis au coiffeur, faites-moi belle, je vais voir mon chocolatier. Ah oui, ah oui, non, mais c'est vrai. Faites-moi belle, la noisette. Il a des toutes petites mains. Oh, il a des mains toutes marrons. Je sais pas s'il n'est pas un peu africain, d'ailleurs. Le mari de Caroline Diamant rentre chez lui et il découvre sa femme au lit avec le petit Jérémy Michalak. Voilà. Oh, putain, le choc. Mais enfin, chérie, mais tu m'avais promis de plus me tromper. Et Caroline lui répond, bah tu vois, je diminue la dose. Non,
non, la dernière était bonne quand même. Ouais, mais alors ça donne quoi sans Jérémy Michalak? Oui. Je vous ai remplacé par quoi? C'était un nain au départ? Je pense que c'était au départ. Ça vous rappelle une autre blague, Pierre? Ouais, c'est un mec qui rentre chez lui, il voit sa femme qui est au lit avec un mec. Alors il dit, espèce de salope, mais comment t'as pu me faire ça, mais salope? Il dit, mais toi encore, je m'en fous, les femmes m'en fous, mais toi, mon meilleur ami, je t'ai sauvé la vie, je t'ai caché pendant la guerre, je t'ai renfloué ton affaire. Quand tu t'es cassé le pied, c'est moi qui t'ai mis le plâtre. Je croyais que t'étais mon ami à mort. Et toi, salope, avec ce salaud. Mais arrêtez de bouger quand je vous parle. Si, bon, pourquoi pas. Peut-être que celle de Salah est meilleure. Bonjour, Salah. Oui, allô. Vous aussi, vous avez une blague, Salah? Ouais, enfin, moi, je vais avoir du mal à passer après tout ça, mais bon. Non, en fait, c'est un prof d'histoire qui donne un cours d'histoire à 20 blondes. 20 blondes. Donc, on va faire intervenir Caroline. Hein. Donc, la première question, où se trouve l'Amérique? Donc Caroline se lève et elle pointe l'Amérique sur la carte qui est affichée au tableau. Donc le prof lui répond très bien. Deuxième question, qui a découvert l'Amérique? Et là les 19 blondes se lèvent et disent, bah c'est Caroline. Ah, ouais. Si, c'est pas mal. On l'a souvent raconté ici. Elle est connue. Elle est un peu connue. Mais enfin bon, c'est sympathique, vous nous avez envoyé un mail pour nous dire que vous nous écoutiez quasiment tous les jours, c'est bien ça? Ouais. Mm-hmm. Ah, quasi. J'ai bien aimé les émissions en fait d'hier et de lundi. Ah ouais. Vraiment extra. Ouais. Ah, c'est vrai. Claude Sarraute. Par contre, Claude Sarraute, ça se fait pas. Hein. Franchement, vous avez été tous sur elle. Ah oui. Wow. Mais c'est l'inverse. Bah ouais, qui s'est passé. Je sais pas quand on aura son âge. Je me demande si on sera déjà comme elle. Quoi. Mais on n'aura jamais son âge. Parce qu'on l'aura côtoyé. Donc. Ah ben non, mais au contraire, c'est elle qui nous a mis vraiment. Alors, elle nous a ruiné hier. Ah non, mais justement, au début, elle était cool, mais après, vous êtes abattu sur elle et tout le monde, finalement, ouais. Regarde Pierre qui râle parce qu'hier, il a pas pu en placer une. Oui, c'est quelque chose. Parce que la veille, déjà, j'avais vu un documentaire sur Pétain. Où on voyait comment la fin de sa vie, c'était terrible quoi. Et j'ai pensé en voyant Claude Sarraute que c'était un peu la même chose. Non, c'est pas sympathique ça, Pierre. Tiens, d'ailleurs, je voudrais signaler à une auditrice qui s'appelle Henriette qui croit tout savoir. Certains auditeurs veulent nous reprendre. Ah. Vous savez, à propos de Michel Alliomari et Patrick Ollier, son époux, on a effectivement raconté hier que c'est la première fois que un homme et sa femme et son épouse sont ensemble dans le même gouvernement. On a dit par exemple que François Mitterrand n'avait jamais osé le faire avec Ségolène Royal et François Hollande. Alors là, Henriette, évidemment, aussitôt elle nous envoie un mail, elle dit c'est pas vrai, vous avez qu'à vous renseigner, François et Hélène Missoff ont été ministres du général de Gaulle, demandez à leur fille Françoise de Panafieux, elle le sait bien. Ben oui, mais Henriette, oui, ils ont été ministres, mais pas en même temps. La question c'est en même temps, évidemment, dans un même gouvernement. Bah oui. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils soient au même moment dans le gouvernement. Mais effectivement. En même temps. Effectivement, François Missoff et Hélène Missoff ont été ministres, mais pas en même temps. Ben oui, moi je le savais ça hier, je ne l'ai pas dit, mais parce que mais est-ce que vous pas êtes en sûr même temps. Qu'ils n'ont pas été en même temps? Sûr et certain, on a vérifié. Ah, vous avez vérifié, bravo, Monsieur bravo. Bénichou, voilà. Ouais. Ah, mais t'es aussi con qu'Henriette quand tu connais. C'est oui. Mais elle nous reproche souvent des choses, Henriette? Ah ouais, ouais. Elle écrit souvent? Ah ouais. Ah, elle a l'air hargneuse, là, Henriette. Ah, il y a même une photo, je crois. Ouais. Simon est un habitué, je crois, de nos interlocuteurs. Bonjour Simon. Bonjour. Je me demande, c'est pas vous l'amoureux de Caroline Diamant d'ailleurs? Si, si. Voilà, et là qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez que Caroline ne se lâche plus assez dans l'émission? Bah, oui, depuis à peu près une semaine et demie, elle parle pas beaucoup, elle insulte plus, fait plus rien. Bon, je me dépêche là parce que sinon j'ai raté mon bus, donc je parle vite. Mais bon. J'espère qu'il a vraiment cette voix parce qu'il va prendre le bus pour une autre raison. C'est un peu tremblotant comme voix. Vas-y, ouais, Caroline, parle-moi, je suis en retard. Je suis en retard, vas-y, parle-moi. Vas-y, je suis à la bourre. Caroline, le bus qui passe. Insulte tes camarades, Caroline, insulte-les, vas-y. Insulte Pierre Bénichou, Caroline, vas-y. Moi, il me fait beaucoup rire, Simon, je le trouve très sympa. C'est un de nos auditeurs préférés, Simon. Ça y est, vous êtes dans le bus? Non, mais non, je vais rater. Ah merde. Oh, t'inquiète pas, il va repasser. Et alors, donc, vous la trouvez moins en forme, Caroline? Bah oui, elle parle pas. Et vous l'invitez toujours à boire un bon chocolat chez vous, hein? Oui. Voilà. Puis à découvrir aussi Archie, la maison de la chicorée. La maison de la chicorée. Simon, c'est Simon le... Parce que j'ai pas qu'un auditeur qui... c'est toujours le même. Il est où déjà, Simon? Il a 16 ans, Simon. Ah, c'est celui... Ah, mais c'est vous qui avez un jumeau qui nous avait raconté oui, votre voilà. journée. Ah oui, non mais 16 ans. Et alors, et tu l'as reçu la culotte de Caroline ou pas? Non, toujours pas, rien du tout. Là, vous courez toujours, Simon, là? Oui, oui. Bien sûr, Simon, tu vas arrêter maintenant, ça va. C'est le bus, ça fait
fait un quart d'heure qu'il est passé. Mais c'est marrant, il continue à courir, c'est bon. Vous voulez que Caroline vienne découvrir votre ville, c'est ça hein? Oui. Elle préférait qu'elle découvre son plumard. Mais ça va pas, il a 16 ans. Mais alors il, et alors, il a 16 ans, bah, tu t'es jamais ans. Fait des mecs de 16 ans, toi? Bah non. Je sais pas 15, ce que tu rates. C'est à ce moment-là qu'ils sont les plus vicieux. À 16 ans. Oh mais c'est quoi votre ville, Simon? Orchi. Orchi. Enfin, cela dit, peut-être qu'il envoie sa photo, Simon, que je sache si ça vaut la peine d'aller en prison ou pas, quand même. Simon, vous pouvez arrêter de courir, là, quand vous nous parlez? Bon, tant pis. Bon, ok, je vais attendre une heure. Mais non, il a raté le bus, le pauvre. Mais attendez, c'est ce que c'est d'être... C'est bizarre, ce coup de fil est très bizarre. Vous savez quoi? Avec lui, on fait de la radio-réalité, en fait, à chaque fois. Il nous raconte sa journée. Bien sûr, il est formidable. Il va vers partout, là. C'est marrant. Il paraît qu'il bat le record de Orchi partout. C'est le meilleur. Il y a mon frère qui est derrière et qui court après. Il faut aussi l'avoir, donc... J'ai l'impression de faire une émission avec Nicolas Hulot, tu sais. Ouais. Et ton frère, Simon il est amoureux Hulot, Orchi. Et ton frère, il est amoureux de qui, demande de Anna Montana. Oh. De Claude Sarraute, peut-être. Ah oui, toi, t'aimes les jeunes à côté, quoi. Il aime les crottes de nez aussi, mon frère. Oh. Bon, bon, vous nous rappelez la semaine prochaine, d'accord? Oui, d'accord. Une fois que vous serez dans le bus. Oui, bien sûr. Allez, tu vas voir, bisous, Simon. On est bien dedans. Oui, d'accord. Ah oui, Caroline vous a dit bisous, hein. Et Laurent, vous n'auriez plus un DVD de Camping 2, s'il vous plaît? Oui. Parce que vous êtes pas un Camping 2. Et oh, je suis pas le spécialiste des villages de tentes, hein. Vous croyez que j'ai beaucoup de psychopathes comme ça qui m'aiment? Ou... Si j'ai pas encore passé, je peux l'avoir. Ah ben très bien. Ben là, tu vois, ça nous rassure parce que moi, j'avais passé une mauvaise journée. Non, mais c'est où Orchi? C'est où Orchi si jamais je passe par là-bas? Hein, c'est dans le nord, entre Lille, Valenciennes, Douai. Oh, ben j'adore. Vous avez la piscine de Roubaix. C'est loin. C'est loin. Ben, Lille, Roubaix, Tourcoing, c'est juste à côté. Vous aimez Camélia Jordana, Simon? Oui. Eh ben la voilà. Moi, c'est la dernière chanson de Camélia. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Hello Paul Vermus. Ah. Hello Laurent. Hello la bande. Salut Laurent. Il est con ce Stevie. Elle est complètement à la ramasse. Mon Dieu. Non, toi t'es dans le studio Stevie. Paul, quelques enquêtes dont on aimerait évidemment avoir les résultats avant 17h30. Tout d'abord les coulisses de l'interview présidentielle. Et évidemment avec David Pujadas, Claire Chazal et Michel Denisot. Suffit que vous appeliez un des trois pour en savoir un peu plus. Et vous me donnez des leçons comme si j'étais un banal débutant. Je sais pas d'abord, vous l'avez regardé vous, Paul? Ouais, bien sûr, j'ai regardé. Enfin, j'ai coupé à un moment, j'étais dîné. Je suis revenu, il était toujours là. Vous avez trouvé comment les journalistes? Pas terrible et je pensais que... J'ai trouvé Denisot très peu punchy. Pierre, vous avez regardé? Ben, j'ai trouvé en effet que les journalistes n'étaient pas très punchy, mais je trouve que c'est pas de leur faute parce que c'est trop difficile quand on est à trois dans un bureau avec le président de la République à l'Élysée avec des machins et tout. Qu'est-ce qu'on va... On va jouer les pourfendeurs, on va dire « Alors, qu'est-ce que vous avez fait ?» Ça, ils sont là, ils sont polis, ils sont bien élevés. Lui aussi, il l'a été. Et puis quoi? Ça n'avait aucun intérêt, aucun intérêt. On savait tout ce qu'il allait dire. Il a dit « La seule chose qui est importante et qui est un truc absolument incroyable dont la presse a trop peu parlé ce matin, c'est qu'il supprime l'impôt sur la fortune. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est pour les gens. C'est l'emblème de la pression fiscale pour tous les riches, pour tout ça. Ça, je crois que ça peut avoir une vraie influence sur un retour éventuel de tous ceux qui sont allés planquer leur fortune en Belgique et en Angleterre. C'est énorme pour peu de gens, mais c'est énorme. Et quand il enlève le bouclier fiscal, évidemment que les deux mesures vont ensemble, mais c'est une mesure incroyablement importante. Ça, c'est un bon commentaire, voyez, voilà, Pierre Benichoux. Bravo, non, quand vous voulez, Pierre. Mais oui, bien sûr, ma poule. Paul, en tout cas, les coulisses de cette interview présidentielle d'ici tout à l'heure. Et puis alors aussi, tout sur le déjeuner secret entre Jean-Louis Borloo et Hervé Morin, puisqu'on a appris dans la presse aujourd'hui que Borloo et Morin étaient dans un restaurant italien. Le San Francisco. Ouais, j'imagine que c'est le San Francisco. Je connais bien, vous aurez toutes les informations parce que je connais bien le bistrot. Très bon italien, le San Francisco. Très bon italien, mais assez cher hein, quand même. Ah oui, mais très et bon. Quand vous n'êtes pas invité, vous le sentez passer. Hein. Les pâtes au citron, formidables. Pâtes au citron. Alors qu'est-ce qu'ils ont mangé hein, vous le savez. Je vous dirai tout, Laurent. Et surtout, qu'est-ce qu'ils se sont dit, évidemment.
qui a invité l'autre, ça aussi c'est intéressant. Ouais. Tout, on veut tout savoir, vous demandez au patron, d'accord ? Ouais, vous ne serez pas déçu. Eva Longoria et Tony Parker vont-ils vraiment divorcer ? C'est non. Une... Non. Ah ben oui, c'est une rumeur. Ah ben voilà des sujets intéressants. Une rumeur qui vient... une rumeur qui nous vient des États-Unis, évidemment. Oh, ouais, c'est le site TMZ qui a annoncé ça, qui était le site qui avait été le premier à annoncer la mort de Michael Jackson. Ah, donc quand même, alors. Ouais, mais, apparemment. Oh, vache. Bon, Longoria Parker, le divorce vrai ou faux ? Paul, on veut la réponse d'ici à tout à l'heure. Et puis, la date exacte, et ça va intéresser Stevie, évidemment, puisqu'on a quand même mariage de la chance d'avoir Stevie autour de nos tables, qui est quand même un peu le spécialiste de la cour royale d'Angleterre. Et on voudrait la date exacte du mariage du prince William, Paul. Ah, vous me prenez pour un bookmaker, alors, en quelque sorte. Bon, non, mais elle doit bien exister, cette date, quand oui, même. Elle existe, elle existe. Vous êtes heureusement surpris. Dans les journaux, ils ne nous disent pas la date. Ouais, ben moi, je vais vous le dire. Ils disent l'an prochain. Au printemps ou à l'été 2011. C'est dégueulasse pour le prince Albert. Exactement. Ce qui serait terrible, c'est qu'il fasse ça le la veille jour. Ou le même jour que le mariage du prince de Monaco. Alors là, ça serait terrible. Non, parce qu'honnêtement, c'est sans commune mesure. Déjà, j'en ai rien à foutre de regarder les mariages, mais allez, si je suis obligé. Oh, pas celui du roi d'Angleterre, quand même. Quand même, Caroline. Celui du prince Albert de Monaco, à la rigueur, on peut s'en foutre, mais pas celui de prince William. Qu'est-ce qui est plus important pour vous ? Il y a un budget, vous avez raison, il n'y a pas commune mesure entre la principauté monégasque et le royaume de Grande-Bretagne. Vous trouvez donc que Monaco, c'est pas important ? Le mariage de Monaco est moins important que le mariage à Londres. Ah bah oui, évidemment. Oui, on s'en fout. J'adore Albert, attention, hein, parce que y a plus de chances que je le croise que de chances que je croise William. Bah moi, j'ai croisé dans mes rêves le prince William. Ah bon ? Je te jure, des fois. Mais si tu veux, raconte-nous. La dernière fois, j'ai fait un rêve, on était, je ne sais pas où, sur Martin Luther King, j'ai fait un rêve. Non, mais c'est... I have a dream, I fuck William. Attends, tu sais, on se connaît dans nos rêves. Ah, on se connaît. Je te connais personnellement, mais dans mes rêves. C'est trop drôle, en fait. Alors, allez-y expliquer. Mais tu te vois en robe de mariée avec les bijoux de tante Elisabeth et tout. Non, mais il n'y a même pas de cul dans ces histoires. Non, on est dans une piscine, on est dans la forêt, on écoute les cerfs ramer. Non, mais vous n'avez pas des personnalités qui arrivent comme ça dans vos rêves. Si, une fois, j'ai rêvé que Jacques Chirac m'embrassait sur la bouche. Ben voilà, on rêve tous de ça. Et puis moi, à chaque fois, c'est le prince William. Je sais pas pourquoi. Et donc vous êtes à la piscine, à la forêt et ben non, mais après je peux pas te raconter dans le détail, mais tous les matins je m'en souviens. Je dis tiens, j'ai passé la nuit avec mon prince. Attends, rêve toute la nuit. Non, pas toute la nuit, mais je sais pas, peut-être une fois tous les deux ans, je passe une nuit avec William. Il est incroyable, ce ministre du bonheur. Ah là, mais et alors, c'est. Qui c'est Kékette ? Enfin, je... non. Bah attends, des fois je rêve de toi, Laurent aussi. Ah ! Bah oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va ramasser les chambres. De moi jamais ? Pierre. J'en ai pas le souvenir. Il y en a deux sur Christine et Laurent. J'ai déjà rêvé. Ah, mais on est ensemble ? Non, vous n'êtes pas ensemble. Le plan à trois salaces. Mais en tout cas, vous avez vu qu'il a offert à Kate la bague de sa mère, la bague de fiançailles. Elle est belle. Hein. Où est-ce qu'il l'aurait récupéré ? Encore incrusté de morceaux de tunnel, il paraît. Oh non ! Où est-ce qu'il l'aurait récupéré, cette bague ? C'est monstrueux. Jamais je la prends, moi. Et j'espère qu'il va lui offrir le bijou que lui avait offert la reine mère. Elisabeth. Un cock ring en diamant. Non. La vraie surprise, c'est si la grand-mère offre la Fiat Uno. Allez, bonne route. Oui, Paul. Bah, je peux peut-être y aller maintenant. Où ça? Ça fait 10 minutes que je patiente. Vous m'avez donné disposé. Mes enfants. Voilà, Stevie vous a dit disposer. Bon, allez, je fonce à l'Elysée. À plus tard, ami. Bien ciao. Sûr. Je fonce à l'Elysée. Mytho. Non, fonce à Buckingham pour nous donner les réponses. Non, pour écoutez, le prince William. Non, arrêtez. Bon, je vous abandonne. Mets les pantoufles, Paul. Au revoir. Oh on aurait dit Valérie Giscard d'Estaing il y a quelques années. Au revoir. Cher Paul, à tout à l'heure. Allez, 17h15, les réponses à tout ça. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Caroline Diamant, Pierre Vénichou, Titoff, Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Vous accompagne jusqu'à 18h. Pierre Benichou me regarde, mais avec un œil noir. Non, ouais. C'est que l'intérêt d'être gentil avec moi, parce que je vous reçois dans On n'est pas couché cette semaine. Hein. Oh là là, mais qu'il faut que j'en parle à Sébastien. Sabine et Benjamin sont au téléphone. Bonjour Sabine, bonjour Benji. Bonjour.
Est-ce qu'on doit dire Benji, Benjamin? Benjamin, n'importe. Ah, n'importe. Ah, bah, comment ils vous appellent, vos potes? Ben, Benjamin, Benji? Oui, est-ce que vous avez ben. Des potes, déjà? Ben, ouais, Ben plutôt. Ben, très bien. Alors, Ben. Ben et Sabine. Sabine est marseillaise. Oui, tout à fait. Du côté de quel coin, à Marseille? Quartier Nord. Quartier Nord de Marseille. Faites quoi dans la vie, Sabine? Je travaille à l'Espace culturel Busserine. C'est un petit théâtre de la ville de Marseille. L'Espace culturel du String. Busserine. Oui, ah, Busserine. C'est vraiment dans le Nord, là. Vous connaissez Titoff? Oui, bien sûr. Enfin, je vous connais de nom. Non, je demande non. à Titoff s'il connaissait. D'accord. Ah, ça, c'est quand même, les Marseillais ne se connaissent pas tous. Non, il me parlait, en fait. Il me demandait si je connaissais le quartier Busserine. J'ai dit oui, je connais, oui. Et Benjamin, il fait quoi, lui, à Paris? Je travaille dans une agence de communication. Parfait. Oui, d'ailleurs, bien sûr. Oh. J'essaie de me concentrer. Et voilà, vous occupez de la communication de quoi? D'une grande majeure cinéma, on va dire. Ah ouais, grande majeure cinéma. Ça m'intéresse. Ah ouais, vous pouvez nous avoir des places? On va voir. Tu connais des vedettes? Parce que c'est peut-être vous qui pourriez nous faire gagner des trucs. Oui. Ah, c'est galant, t'as reconnu. Ouais. MMV, en tout cas, vous offre une semaine de pension complète pour 4 personnes. 2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans. D'accord, voilà. T'as un enfant de 13 ans, l'autre de 11, t'étais dans la merde. Bah ouais. Vous pourrez choisir entre La Plagne, Les Arcs, Serre Chevalier, oh. L'Alpe d'Huez, j'en ai marre de le dire. Sabine, Benjamin, voici la question. Attention, je suis sûr que la réponse peut être donnée autour de la table, alors il va falloir être rapide. Vous êtes prêts tous les deux? Ouais. Prêt. Alain Juppé fait son retour au gouvernement alors qu'il fut Premier ministre. Quel autre cas d'homme politique fut Premier ministre, puis ministre de la Défense ensuite? On leur laisse 10 secondes. Eh oui, évidemment. Vous savez Pierre Bénichoux? C'est super facile. Ah bah Pierre Bénichoux ne le sait pas. Alors non, moi non plus. Vous avez vos chances alors. Je frimais. Hein. C'est un, après, c'est un gauchiste, non, un gauchiste. C'est un gaucho. Non, c'est pas un gauchiste. Laurent Fabius? Non. Bon, faut dire des premiers ministres. Laurent Fabius n'a jamais été ministre de la Défense. Non, Nicolas mais cherche les premiers ministres. Nicolas Sarkozy. Non. Ah non, il n'a jamais été, premier ministre. Et pas ministre de la Défense non plus. Raymond Barre. Non, c'est plus ancien que ça. Hein. Mais c'est genre un nom connu quand même. Ah bah oui. Jacques Chaban-Delmas? Non. Vercingétorix? Non. Salengro? C'est plus récent. Qui ça? Roger Salengro. Debré peut-être. Michel Debré, bonne réponse. Vas-y mon Pedro. De Pierre Bénichoux. Eh oui, Michel Debré. C'était trouvable, hein, Sabine et Benjamin. Trop dur. C'est ce que me disent toutes les femmes, mais non. Oh non. C'était dans la presse hier. Michel Debré fut Premier ministre et puis ministre de la Défense. Et c'était aussi dans le Canard enchaîné aujourd'hui. En tout cas, voilà, M. Juppé fait son retour au gouvernement. Ça crée une petite polémique à Bordeaux, hein, parce qu'évidemment, on a ressorti ces fameuses phrases quand il disait aux Bordelais, quand il a été élu maire, je me suis engagé vis-à-vis des Bordelais à exercer pleinement la fonction de maire qu'ils m'ont confiée. À mes yeux, il y a incompatibilité entre cette fonction et un poste dingue. Ministériel. On ne peut pas tout faire à la fois. C'est drôle. Ils changent d'avis tout le temps, quand même, les politiques. Mais tous les politiques, si on remet ce qu'ont dit les gens et les déclarations de Sarkozy sur la retraite à 60 ans, je ne toucherai jamais à ce symbole, c'est une merveille, ce machin. Et après, il dit, mais enfin, il faut vraiment... Toute l'histoire de France est faite de reniements. C'est pourquoi je laisse tomber l'histoire et je me consacre désormais à Caroline Diamant. C'est pas possible. Désolé, Sabine. Hein. Est-ce que je peux vous poser une question? Je vous en prie. Il y a une rumeur qui a couru à Marseille. Comme quoi, vous auriez acheté une maison de par chez nous. Ah non, hein, un Titoff. Pas au courant. Pas au courant. Ah non. Mais c'est une rumeur, genre tout le monde ne parle que de ça. Ouais. Oh, faut pas exagérer quand même. Mais oui, c'est vrai qu'on a acheté collectivement tous une maison et on y vit d'ailleurs. On y vit tous. Et alors, il y a des parties fines là, il y a des soirées bang bang. Bang bang. Bunga bunga. Bunga bunga. Bunga bunga. Ouais. D'ailleurs, la maison, on a un petit jambon en l'air. Bunga bunga. C'est quoi ce qu'il y a dans votre théâtre, Sabine? À Marseille? Oh ben un petit peu de tout, on fait beaucoup de spectacles pour enfants, du théâtre. Très bien. Un petit peu de tout. Bon, et vous Benjamin, là, votre journée de travail ne fait que commencer, j'imagine. Oui, exactement. Ouais. Bon, et vous allez faire quoi? C'est quoi exactement votre travail? Du coup, c'est faire la communication média pour le film de cette major. D'accord. Et quel mais film, alors, américain. Quel film y a, par exemple, film, on est mercredi aujourd'hui, il y a des tas de films qui sortent. Quel film vous occupez? Non, on n'a pas de film avant décembre. Là. Ah, alors, vous avez quoi, par exemple, qui sort? Megamind. C'est quoi Megamind? Okay. C'est le nouveau DreamWorks. Ah, c'est un nouveau, faut commencer c'est un la animé. Com alors. Parce que... elle est commencée depuis un moment. C'est un dessin animé DreamWorks. Ouais, c'est ça. Un petit bonhomme bleu. Ah, très bien. Qui est très sympa. Bon, et c'est bien le film, vous l'avez vu déjà? Ah ouais, il est vraiment bien. Okay. Et c'est il est tout, attaché alors. De presse, ils vont pas qu'ils disent non, c'est moche. Et alors, vous avez un film dans l'année quoi? Non, il y en a.
Une vingtaine. Le dernier que vous ayez fait qui est déjà sorti, c'est quoi? Jackass 3D. Jackass 3D. Ah, d'accord. Bah c'est classe. Ah, comme du cinéma d'auteur, quoi, dans l'ensemble. Complètement. Et avant, il y avait Paranormal. Ah ouais, quand même. Donc, ouais. On va dans l'auteur. Et le baltringue de Vincent Lagaffe, c'est vous? Non. Vous pouvez nous envoyer un DVD de Paranormal 1 et 2? On a des limites. Bah, malheureusement, je fais pas les DVD, on fait que les sorties. C'est nous qui offrons des cadeaux ici, c'est pas les auditeurs qui nous en envoient. Fois, c'est eux qui envoient des cadeaux. Oh, bah merde, pour une fois, attends. Et vous pouvez envoyer une petite photo dédicacée pour Stevie ou pas? Sabine, on vous embrasse, et Benjamin aussi, de toute façon. A fait fortune dans l'organisation de fêtes anniversaires ou soirées, et ça tombe plutôt bien. Qui a fait fortune dans l'organisation d'anniversaires? Cathy Guetta. Non, pas Cathy Guetta. Ah, c'est pas une vraie question. Enfin, je veux dire, c'est pas une vraie question. C'est genre. Mais comment tu parles? Un personnage de film? Ah non, c'est une vraie question. C'est un personnage de télé-réalité? Non, pas du tout. Qui a fait fortune dans l'organisation de fêtes anniversaires ou soirées, et ça tombe plutôt bien? Ça tombe bien parce qu'ils vont. Parce que c'est une fête. Son anniversaire. Non, mais parce qu'effectivement, ils vont sûrement. À cause des fêtes de Noël? Non. À cause de. C'est une femme? Un homme et une femme, un couple. Un couple. Un Shirley et Dino. Shirley et Dino, expliquez. Ah ouais, je te dis pas s'ils organisent ton mariage ou ton anniversaire, quoi. Ça. Et alors, oui. Voilà. Arrête! La pièce montée! Bah moi, franchement, je peux mourir de rire. Ah ouais, à la mairie d'Anières, ils organisent le truc. C'est pas Shirley et Dino. Mais c'est un couple dans le genre? Non, pas un couple dans le genre du tout. Véronique et Davina? Non, mais c'est une vraie. Ils ont monté une vraie société d'organisation. Ils ont fait fortune avec une société d'organisation de fêtes, anniversaires et soirées. Ok, alors maintenant, on les connaît pour autre chose. On ne les connaît pas pour autre chose, mais ils ont fait fortune grâce à ça, et je dis, ça tombe plutôt bien. Mais est-ce qu'on les connaît pour ça? Bah, on les connaît, oui, on va les connaître encore mieux, en tout cas. On en a parlé. Ah, bah, j'ai compris alors. Allez-y. Bah, c'est le prince machin avec la future princesse d'Angleterre. Ah oui, non, ce sont les parents de la future princesse. Bonne réponse de Pierre Bénichoux, bravo. Ah, bah, mis sur la voie par Titoff. Absolument, grâce à Titoff. Mais je peux vous dire qu'elle était hôtesse de l'air et que lui était justement travaillé dans cette compagnie d'aviation, et qu'après ça, ils ont organisé des fêtes, ils ont fait fortune et ils ont pu donner grâce à cela la meilleure éducation possible à Kate. À Kate, qui était dans les écoles les plus chères. Elle n'est pas de sang bleu. Non, c'est une roturière. Elle a rencontré. Non, mais moi je suis pas d'accord. Moi, t'es chiant. Non. Les parents Middleton sont des gens qui ont fait fortune grâce à l'organisation d'anniversaires, de fêtes, de soirées. Donc j'imagine qu'ils vont s'occuper aussi de l'anniversaire, sauf si la famille. T'as raison, c'est le genre Elisabeth. Queen Elisabeth. C'est ça. Dire, t'as qu'à organiser le mariage, tu le fais comme tu le sens. Si tu veux, tu places les invités. C'est souvent la guerre. Non, mais ça, c'est intéressant parce que c'est souvent la guerre entre les deux belles familles pour l'organisation d'un mariage. Normalement, dans tous les pays du monde, est chargé de l'organisation de la fête le proche de la jeune femme. Ah bon? Qui fait, oui, bien sûr. C'est la fille qui fait la fête. Ah ouais, c'est pas vrai, regardez dans le public. Non, mais c'est comme le principe de la dot, ça se fait plus. Milliards là qui sont ils sont là, ils me regardent avec l'air oui. Dans les grandes familles comme la mienne. Vous, par exemple, c'est votre mariage, Pierre, qui l'a organisé? Moi, mon mariage, moi, c'est personne, c'est tout seul, moi. C'était triste. On était dans la mairie d'Anières, justement, avec ma femme. Sans Shirley, sans Dino. Oh là là, c'était terrible. Caroline, vous qui a organisé le mariage? Bah, moi, je me suis mariée, j'avais quand même 28 ans. Donc, comme Kate. Ah bon? J'ai fait. J'ai rien demandé à personne. T'avais fait un bout de chemin déjà? J'étais pas une gamine de 20 ans. Ça, c'était vrai quand c'était ton papa, que tu vivais encore chez papa. On te mariait à 16, 17, 18, 20 ans. Alors, t'étais sous l'emprise. Moi, je gagnais ma vie. J'étais une femme d'affaires. J'avais pas ma belle-mère qui allait me dire quoi que ce soit. Non, mais ça, c'est vrai. Oh, mais je sens que vous l'aimez pas, votre belle-mère. Si. Oh non! Si, je l'adore! Oh, j'ai senti là un truc! Non, j'adore ma belle-mère, elle habite Montpellier. Ah, c'est pas bon! Eh, la preuve! Ah, j'ai senti le truc! J'ai dû la voir trois fois, tu sais. J'espère que tu vas passer Noël. La façon dont vous avez dit, c'est pas ma belle-mère qui m'aurait imposé quoi que ce soit, je me suis dit, oula! Non, mais attendez, honnêtement, je n'ai absolument pas de mauvais sentiments. Ça va être chaud, contre Noël, hein. Ma belle-mère, honnêtement, je l'ai vue trois fois. Non, mais votre réponse est totalement à côté, parce que je ne vous ai pas demandé évidemment si deux personnes... C'est moi qui ai tout organisé. Si deux personnes de 30 ans ou de 40 ans se marient comme un accord, comme ça, évidemment, ils organisent eux-mêmes comme ils veulent. Mais l'important, surtout quand c'est comme un accord, c'est vrai que souvent, c'est pas mal pour se marier. Quand il y a justement des familles
soit qui sont soit très aristocratiques, soit royales, soit très et qui marient leurs enfants qui ont 22 ans, il est évident que ça se passe de façon traditionnelle. Bien, alors, mais tu as raison. De la même manière, je dis la tradition que... veut que ce soit les parents de la fille qui ouais, s'occupent de tu as raison, voilà. Comme la fille doit arriver dotée et vierge, madame, vierge surtout. Ah hein bah attends, on va pas te présenter. À 28 ans. Attends, à 28 ans, est-ce que tu peux jurer que t'étais bien? Ça serait quand même la moindre des choses. Tu as dit à ton mari, c'est pas comme ça et tout ça? C'est pas comme ça quoi? Non. Mais vous êtes fous. Oh, les vieux dégueulasses. Bon, enfin, ça tu va savais pas. Tout, tu savais tout déjà. Après, je croise des parents d'élèves. Oui. Voyez. Ouais. Tu vas, comme mon ami, tu vas croiser les parents du petit Simon d'ici pas longtemps. Je vais être attaqué par les parents du petit Simon, tout à fait. Moi, je parierais qu'elle l'était pas. Bah, non, 28 ans. Je... Personne n'est vierge à 28 ans. On a qu'à faire un Suzanne Boyle. Demande à Mireille Mathieu. Suzanne Boyle. Non, mais tu insultes ma sœur. À moins d'être très vilaine, il a raison. On a qu'à faire un sondage sur Internet. Si c'est un gros lait, vierge ou pas à 28 ans. William et Kate, par exemple, ils ont consommé Stevie ou pas? Bien sûr. Ah oui, évidemment. Ça fait combien? Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble, c'est ça? Mais même le prince Charles, avant de regarder, il avait bien une liaison avec Camilla Parker Bowles avant le mariage. Pour en les revanche hommes, pour les hommes, on s'en fout, c'est pour les femmes. Peut-être que Lady Di, en revanche, qui était une jeune fille elle était vierge, toute rougissante, était peut-être vierge. Mais Kate, pour son mariage. Non, on a changé de génération maintenant, c'est fini ça. Alors Kate et William ont 28 ans tous les deux et ils se sont connus à l'école quand même, c'est mignon. Il n'y a pas de fille à Eton. En Écosse, ils étaient, en Écosse. À l'université de Saint-Andrews. Voilà, ils étaient deux jeunes étudiants. Ils se sont séparés à un moment donné parce que les people harcelaient trop Kate. Ouais, oh, la pauvre Miskina. Mais elle fait vraiment Miskina. On dit pas Miskina pour une princesse anglaise. Pour la future reine d'Angleterre. On dit Miskina pour Yasmina. On dit pas. Ils ont tué Diana pour moins que ça. Je comprends même pas ce que ça veut dire. Miskina, ça veut dire la pauvre. Ça veut dire la pauvre en arabe. Ah oui, oui. Mais il parle arabe ici, lui, maintenant. Mais oui, de temps en temps. Mais t'es fou quoi? C'est les enfants de Florent Pagny qui nous écoutent, t'es malade! C'est comme s'il disait Moulal Hadim, la reine n'a pas de chance quoi. Ça veut dire petit d'ailleurs, Mskin. Petit et pauvre après. Leur mariage aura lieu 30 ans après celui des parents de William. Ouais. 30 ans pile en plus. Ah ouais, 30 ans pile. Et ça voilà. Dépend de la date. Et une fois marié, le couple royal ira vivre dans le nord du pays de Galles où William est engagé dans la Royal Air Force. Ça donne envie. Pourquoi? Le nord, bah, du, pays le de nord du pays de Galles. Ouais. Avec un mec qui perd ses cheveux à même pas 30 ans. Non mais attends, il s'est refait retoucher là. Ah oui. Enfin, il a fait quelque chose. Hein. Attends, parce que quand tu rêves de lui, tu le vois de dos et de dessus. J'adore l'expression. Il a fait quelque chose. Ah non. Tu sais que pour dire le psychanalyste, on dit tu te fais aider. Et pour dire le chirurgien esthétique, on dit tu as fait quelque chose. Allez, je vous propose CeeLo Green ou CeeLo Green, je sais pas comment on doit dire d'ailleurs. L'album s'appelle The Lady Killer. Ça, je sais bien dire. Et c'est le nom CeeLo Green, je dois dire, hein, je pense CeeLo Green. Voilà. En revanche, la chanson, je connais bien le titre. Fuck you. Au téléphone, dans un instant, nous aurons Monsieur Paul Morizet, responsable du pôle Europe de l'agence Green Light. Il est déjà là, il vous entend, il vous écoute et il va s'amuser de voir si vous êtes capable de me donner les 5 personnalités disparus qui ont fait gagner le plus d'argent à leur famille cette année. Alors, Michael Jackson. Alors, Michael Jackson est en 1. C'est vrai, bravo Stevie. Mike Brandt? Non, Mike Brandt. John Lennon? Non. Attendez, dans le John monde? John Lennon, c'est le cinquième. Dans le monde. Dans le monde. Steve McQueen? Steve McQueen. Alors, Steve McQueen, il arrive bien derrière. Il n'a pas dit mort cette année. Il a dit mort. Parce que John Lennon n'est pas mort cette année non plus. Qui ont rapporté le plus d'argent cette année. Les personnalités qui ont gagné, qui ont fait gagner le plus d'argent à leurs ayants droit. Marilyn Monroe. Edith Piaf. Non. Dans le monde. Marilyn Monroe. Dans le monde. Alors, en 1, c'est Michael Jackson. En 5, c'est John Lennon. Vous en avez 2 sur 5. Elvis Presley. Non. Elvis Presley, en voilà un troisième. Il est 2, Elvis Presley. La Calas, Diana. Non, pas la Calas, pas Diana. Philippe Séguin. Philippe Séguin. Oh. Vous êtes con. Attendez, Elvis Presley, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas eu d'actualité cette année. Ça alors, veut dire... John Lennon. John en 1, on l'a dit déjà. En 1, Michael Jackson. En 2, Elvis Presley. En 5, John Lennon. Il vous manque le numéro 3 et le numéro 4. Oh, James Bond. Non. Non. C'est un américain?
Alors, Non, c'est un Anglais. Deux Américains, effectivement. Deux Américains. Bah oui, ils détiennent le monde. Jimi Hendrix. Est-ce que ce sont des chanteurs ? Pas du tout. Ce sont des acteurs ? Non plus. Pas du tout. Ce sont des hommes politiques ? Non plus. Alors, ce sont des sont des écrivains. Sont des écrivains. Écrivains, pas tout à fait, mais auteurs, créateurs. Ah, autant on emporte le vent, comment elle s'appelle ? Non, Margaret Mitchell. Non. Salinger. Non, pas auteur. Je peux vous donner ça. Peut-être vous donner une indication. Les suivants. En 6, par exemple, c'est la famille de Stieg Larsson, l'écrivain suédois. Vous voyez, celui qui a écrit Millennium. Vous avez ensuite Albert Einstein par exemple qui rapporte toujours beaucoup d'argent à sa famille. Beaucoup d'argent, tout est relatif hein, parce que vraiment. Ah, est-ce que ce serait des compositeurs? Pourquoi la famille d'Einstein gagne de l'argent? Alors on va demander à notre invité tout à l'heure. Il faut trouver déjà les deux qui manquent. Il faut trouver les deux qui manquent. Est-ce qu'il y a une femme dedans? Non. Que des hommes. Les cinq premiers sont des hommes. Michael Jackson, Elvis Presley, John Lennon en 5, il vous manque le numéro 3 et le numéro 4. Chef. Ah, Rockefeller, son père il était très. Est-ce que ce sont des personnalités mortes entre 1960 et maintenant ? Oui, tout à fait. Il y a même quelqu'un qui est décédé, le quatrième, il est décédé il y a 10 ans. C'est pas Picasso. Il y a 10 ans. Non, c'est deux Américains, pas politiques, c'est pas Kennedy. Non. Et c'est des hommes. Donc oui, c'est ils pas ont créé quelque chose. Ils ont créé quelque chose. Des gros succès. Alors, des gros succès. Ils ont créé le. Pas l'iPhone, non, il est Steve en vie. Steve Jobs, il est en vie. Le machin. Ils ont créé un objet comme ça. Je sais, c'est J.R. Ewing. Le créateur de Dallas. Le créateur de Dallas. Non. C'est un créateur de série. Aaron Spelling. Ah, bien joué. C'est quoi ça? Créateur de Beverly Hills et tout. Ah, Don Simpson. Non, mais c'est pas possible qu'il y soit pas. Non, j'ai cru à un moment donné qu'il avait la bonne réponse, Titoff. Schultz. Ah, Bush. L'auteur de Peanuts. Schultz. Bravo, l'auteur de Peanuts de Charlie Brown. Bravo, Pierre Benichou et de Snoopy. Charles Schultz. Ah ouais. Il y avait numéro 4. Walt Disney. Numéro 4, c'est Charles Schultz. Et Walt Disney. Ah ben c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas Disney, c'est bizarre. Oui, et il n'y a pas Spelling aussi qui mais fait toutes que les séries. Non, mais peut-être que la famille Disney ne touche plus les droits. Parce il vous en manque un, et c'est un créateur. De bande dessinée aussi. Pas de bande dessinée. De mode. Mais de romans et de films. Une série très connue. Et quand il a dit. Alors il a dit. Alors c'est l'autre, c'est la concurrente. Non. C'est Dynasty. Pas une série, mais il a dit quoi? Il a dit J.R. Ewing. Non, il a dit J.R. Junior, quelque chose junior. Junior. Bon, on va leur dire, hein, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Morizet? Ils trouveront jamais. Bonjour, monsieur Morizet. Bonjour tout le monde. Ils trouveront pas le numéro 3, à votre avis. Donnez la série. Le 3, c'est un peu compliqué. La série en question. C'est quelqu'un qui est mort à l'âge de 81 ans en 1973, et c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux. Tolkien, exactement. J.R.R. Tolkien. Ah, je connaissais pas ses initiales. Eh oui. C'est bizarre, c'est vrai, ces chiffres-là. Ils ont raison. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas la famille de Walt Disney là-dedans, monsieur Morizet? Disney, c'est un petit peu particulier parce que Disney, c'est aussi le nom d'une société. Donc, il y a beaucoup de droits qui sont. Là, on parle de droits associés directement à l'œuvre de la personne. Ah, donc, exactement. Disney, c'est plus large que ça. Et alors, en revanche, Albert Einstein, c'est une bonne question de Pierre Bénichoux. Comment la famille Einstein gagne de l'argent aujourd'hui? Vendre des équations? Alors, en l'occurrence, vous n'avez pas tort, il y a des droits qui sont sur la formule E égale MC2, il y a des droits associés à cette formule. On ne peut pas l'utiliser sans avoir des droits. Et ce n'est pas sa famille, en l'occurrence, qui touche de l'argent. C'est l'Université hébraïque de Jérusalem qui touche tous les droits qui sont associés donc, au nom ou à l'image formule d'Einstein. Et qui, l'argent est destiné à supporter des travaux universitaires entre des étudiants israéliens et palestiniens. Cher monsieur Morizet, la question ce n'était pas à qui va l'argent, comment ça y va, c'est qu'est-ce qui génère cet argent? Quand on laisse un livre qui se vend à 3 millions d'exemplaires tous les ans, on comprend que la famille touche des royalties là-dessus. Sur Einstein, vous me dites, c'est chose incroyable, que par exemple l'équation E égale MC2, qui est la marque de fabrique d'Einstein, chaque fois qu'on met E égale MC2, on doit donner de l'argent à quelqu'un. Par exemple, si vous faites un t-shirt sur lequel il est écrit E égale MC2 et que vous commercialisez ce t-shirt à plusieurs exemplaires, là j'imagine on paye des droits, c'est ça monsieur? Exactement. Si vous faites par contre photo avec la lampe tirée aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les jeux éducatifs Baby Einstein, donc tous, qui a été édité par Disney.
Donc tout ça, il y a des droits qui sont associés à ça. Donc, et quand on regarde le film Frankenstein, par exemple, non, ça marche pas là. Non, mais en revanche, vous avez raconté à François, vous avez été interrogé par Alexandra Gonzalez de François, qu'il y a eu une campagne de pub avec une vache qui tirait la langue, et que là, c'est Milka qui a payé à Einstein. Exactement. Enfin, je sais pas, si c'était Milka la vache. C'était quoi la vache qui tirait la langue? C'était quelle marque? Je me rappelle plus. C'était pas en France. C'était pas en France. Non. Et alors là, la vache tirait la langue et le slogan c'était « Se lève ou rendra plus intelligent ». Et là, il a fallu donc payer quelque chose. Parce que là, ils étaient en référence directe s'ils avaient pris un autre slogan. Ça me paraît dingue. S'ils avaient dit, par exemple, avaient fait référence à une chanson des Rolling Stones, bon, ben, on aurait associé la langue à autre chose. À quoi t'aimes qu'on associe la langue? Non, mais je vais te demander. Il est chaud sur toi aujourd'hui. Hein. Je vais te poser une question, toi qui peuple mes fantasmes. À quoi t'aimes qu'on associe de la langue? Chaque fois que tu bouffes. Maintenant, il faut verser les droits d'auteur, mais avec qui Chaque fois que tu bouffes une machin, il faut verser les droits. Non, mais non, c'est des conneries. J'espère que tout cela sera coupé. Ah, sûrement pas, alors là. Pour le bien-être de ma famille. Ah non. De mes petits-enfants. Mais ça, sûrement pas. Et pour la prochaine réunion de parents d'élèves de Caroline Diamant. On est en direct. Hein. Il y avait des erreurs dans le papier de François ou tout a été plutôt bien retranscrit dans ce que vous leur avez raconté, Monsieur Morizet? Non, tout a été plutôt bien retranscrit. Bon, Einstein avait des enfants. Deux enfants, ouais, dont un apparemment qui est devenu fou. Mais il n'y a pas de descendance directe après ces enfants-là. Donc c'est pour ça que... Et Marilyn Monroe, alors elle, par exemple... Ah, elle était mieux physiquement qu'Einstein. Physiquement, je préfère Marilyn. Elle rapporte beaucoup d'argent. Elle touche pas toujours. Elle est dégoûtée, elle touche pas. Mais non, mais je pensais qu'avec le livre qui était sorti là, il y a bien quelqu'un qui touche quelque chose. Ben oui, évidemment. Alors ben, en fait, c'est une société qu'on appelle un estate qui touche l'argent sur les droits d'auteur ou sur les campagnes de pub qui sont associées où il y a son nom, etc. Allez. Vous, votre agence Greenlight, là, vous gérez qui en personnalité décédée? Nous, on représente Andy Warhol, Bruce Lee, Steve McQueen, Maria Callas, Albert Einstein, Johnny Cash, Thomas Edison. Johnny Cash, son nom prédestiné. Et vous avez affaire à qui, alors, puisqu'ils sont décédés? Souvent aux enfants. Par exemple, Maria Callas, ça c'est intéressant. Où va l'argent pour oui, Maria Callas? Pas descendant. Alors, c'est reversé souvent à des œuvres qui ont été décidées pendant le testament, en fait. Et Bruce Lee? Il y a une fille. Il reste Brandon et a été tué sur un tournage, ouais, mais il y a encore la fille qui est encore vivante. Comment elle s'appelle, la fille? C'est quoi son prénom? Bianca Lee. C'est Shannon Lee. C'est intéressant, en tout cas, tout ça. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, merci, Paul Morizet. Non, c'était très instructif. Qui vient de gagner 177 000 euros au poker? Vikash Dorasso. Vikash Dorasso, ah ouais. Bonne réponse de Caroline Diamant. Regardez la tête de Pierre. Pierre, ça fait j'ai des fait années. Un tournoi avec lui, je l'ai pulvérisé. Eh ben oui, ben, vous voyez, à côté de la fortune. Il a dû avoir des cartes. Hein. Il joue bien. C'était quoi comme ton jeu? Vous avez vu la publicité de Patrick Bruel? Elle est géniale. Oui, au poker, ce n'est pas les cartes. Le sujet, c'est pas les cartes. Ce qui est le plus important, c'est les cartes. Pas ce sont les cartes. C'est pas ton jour, ma poule. Quoi? Non, ça c'est intéressant parce qu'ils regardent une pub et ils vérifient l'orthographe, la grammaire, tout ça. Je regarde une pub, j'entends sans arrêt. Ce qui est le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. Non, ce qui est le plus important, c'est pas les cartes. Ce ne sont pas les cartes. C'est quelqu'un qui s'est dit, comme il y a un pluriel après, il faut mettre ce sont. Okay, c'est des illettrés, quoi. Oui. Mais comme toi. Soyez pas jaloux sous prétexte que Patrick Bruel et Dorasso... Plus riche que moi, lui. Gagne de l'argent au poker. Mais comment ça se fait, vous, qui jouez depuis tant d'années, que vous n'avez pas fait fortune avec le poker, Pierre? Parce que je jouais au poker fermé, que j'ai joué dans ma vie 20 fois.
en tout au nouveau poker américain, et qu'une fois j'ai été, je suis arrivé assez loin dans un tournoi, mais que ça m'amuse pas. C'est devenu un jeu prolétarisé, estudiantin, où on joue pas d'argent, où c'est des concours, où on met chacun la même somme. Il faut rester jusqu'à 8 heures. Si tu gagnes, si tu passes plusieurs tours, tu finis à 6 heures du matin. Enfin, je veux dire, pour moi, ils savent maintenant que c'est génial, je leur ai donné une leçon de poker. C'est le contraire de ce qu'on aimait au poker, qui était un jeu peu clandestin, un peu comme ça, un peu secret. Maintenant, c'est tout le monde est là. Un peu secret. Mais toi, t'aimais bien jouer dans une backroom avec des cigarettes. Dans une backroom. Je sais pas. Mais c'est vrai, il a raison ce que dit c'était Pierre. C'était un peu l'image du poker. C'est pas le premier à le dire. Tous les premiers précurseurs du poker, le succès du hold-em. Le hold-em est un très vieux poker. A raison. C'est tout ce que vient expliquer Pierre. C'est-à-dire que ça s'est démocratisé. C'est des étudiants qui veulent un petit peu s'encadrer. C'est sur Internet. Il y avait un côté ouvré voyou, le côté caché avec les lunettes, cigares. Moi, je préfère la belote. Il y a que là. Le poker, c'est génial. Je cherche toujours un sponsor pour les championnats du monde de poker à Las Vegas. Voilà. Non, mais alors, 177 000 euros, ça veut dire qu'il est bon, Dorasso, quand même. Non. Ça veut dire qu'il est c'est un bon joueur. C'était où ce tournoi? Sinon, qu'il a une grosse chatte. Ça veut dire qu'il a eu beaucoup de chance. Une grosse chatte, c'est ça. Ah oui, avoir de la chatte. Moi, toujours, je me demandais c'est quoi une grosse chatte. C'est un type qui a de la chance. C'était le barrière poker tour à Enghien. C'est vrai, voilà. Oui. C'était sur le site de Patrick Bruel, d'ailleurs. Il joue pour l'équipe de Patrick Bruel pour Winamax et c'était dans le cadre d'un barrière poker. Ah, ça veut dire que l'argent, c'est pas pour lui alors ? Si, pensez-vous, bien sûr. Il a un contrat avec un sponsor. Donc il est dans cette équipe et il est carrément certainement payé tous les mois par cette équipe. Et pourquoi t'en as pas toi ? Et on lui. Bah parce que moi, je cherche. Ah, mais c'est pour ça qu'ils font tous du poker maintenant. Mais qu'est-ce que tu crois ? C'est qu'ils gagnent tous de l'argent sans que personne ne dise rien, que les spectateurs applaudissent. On s'en doute un peu. Il y a plusieurs types de joueurs qui sont payés par les associations comme Winamax, comme tout ça, les sociétés. Moi, je suis bientôt dans un tournoi Winamax. Soit, si tu permets que j'explique. Hein. Bien sûr, vas-y. Tu préfères prendre une canne flotte. Vas-y, attends, j'ai dit que c'était super ce que tu as dit tout à l'heure. Tu dis que des conneries. Non, je veux dire qu'il y a soit des champions incontestés de poker, il y en a 3 ou 4 en France, qui s'appellent Hanouna, qui s'appellent Lelouch, qui sont des très très bons. Et ceux-là, les gens les payent. Et ils sont et pour jouer, pour faire de la pub, pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent. Les autres, ce sont des gens qui sont des célébrités, des people, comme Dorasso, et on s'en fout qu'ils jouent bien ou mal. Il vaut mieux qu'ils sachent quand même la différence entre une paire et un brelan. Mais ce sont des people pour attirer les gens. Pierre est jaloux, hein. Ouais. Pierre est jaloux. Mais oui, parce que vous dites comment ça se fait que je n'ai pas gagné autant de thunes. Je vous vois bien. J'ai très peu joué, moi, dans ce jeu-là. C'est beaucoup plus physique que l'autre parce que c'est un jeu qui dure beaucoup plus longtemps et où il faut prendre une décision pratiquement à chaque coup. Caroline, la plus grosse somme que vous ayez gagnée, vous, alors, c'est quoi ? Eh bien, moi, le premier tournoi que j'ai fait. Vraiment, le premier tournoi, je l'ai gagné. Il y avait 100 personnes. Ça coûtait 200 euros l'inscription. J'ai gagné 4400 euros. Ah oui. À 6 heures du matin. Ah oui. Bah, j'étais folle de joie. Oui, bien sûr. Oui. Attendez, vous êtes fous. Non, j'ai jamais fait ça. Je comprends mieux pourquoi vous continuez à venir encaisser les conneries ici. Quoi ? C'est génial, 4400 euros. Non, mais c'est pas 177 000. C'est quand même très bonne, mais quand je même. Je suis excellente et je vous emmerde. Euros, il faut qu'il y ait 100 mecs, ça te fait. Tu prends 40 par mec. Okay, pour une nuit entière, 40 par mec. Donc maintenant on sait qu'elle était plus vierge à 28 ans. Non, mais c'est vrai, moi je demande ça parce que comme c'est vous qui nous avez appris à Stevie et à moi comment on joue au poker, autant qu'on sache si vous êtes doué ou pas. Parce que je joue très bien. Je vais chambrer, allez, plutôt bonne nuit. Je joue très bien. Stevie, vous avez rejoué depuis ? Non, pas rejoué depuis. Mais t'avais très envie, t'étais excité. Ah ouais, non, mais j'ai très envie de rejouer, mais on se referait une petite partie très très vite. Je bluffe. Non, attends, je l'ai mené en bateau, la gamine. Ah oui ? Ah bah oui, enfin, c'est Caroline. Caroline. Ah c'est oui vrai, j'étais. Bah oui, même toi, je t'ai bluffé. Oh, ça va. Ah, ça, oui. Oh, j'ai bien joué. Il y a 10 ans. Même Caro, tu m'as dit, mais c'est normal, t'es un jeune joueur, on peut jamais lire dans votre jeu vous. Non, c'est bien ce que tu m'as dit. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Mais parce qu'il n'avait rien compris aux règles, alors il jouait n'importe comment, évidemment. Exactement, c'est ce qui se passe parfois sur Internet ou dans certains tournois. C'est qu'un débutant peut gagner à ce jeu. Eh oui. Contrairement au poker fermé. Pierre Benichou.
Non, mais ça dérègle tout. Parce qu'il y a non, des je très siffle bons pour qu'on s'aperçoive que mon mutisme est volontaire. Ouais, ben on siffle pas à la maison. Louis Chédid, tu peux compter sur moi en tout cas. Europe 1, on va se gêner. Do-ré-mi fa-si. Do-ré-mi fa-si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes camarades. Salut Serge. Vous n'avez pas parlé de poker, Serge. Non, salut, non, j'y Serge. Connais rien. J'y connais rien. Un bêtisier comme chaque mercredi. Voilà, le 38e bêtisier. Ouais. Alors voilà. Bah, c'est, il a bu. Ben oui, c'est l'heure de l'apéro. Alors voilà, bien sûr, il y a des gaffes, des lapsus, des perles d'inculture. Mais vu le remaniement ministériel cette semaine, je me suis plutôt intéressé à ce qu'on appelle des contorsions politiques. Bonsoir Karine. Bonsoir Karine. On recommence. Bonsoir Karine. Bonsoir Ronald. C'est bien. Bonsoir à tous. Bienvenue. Les courses sur l'aérodrome de Marseille-Borély, sur l'hippodrome de Marseille-Borély et non pas sur l'aérodrome. Les Marseillais qui pensent déjà à Madonna, à Maradona, à ne pas confondre. La maison Bouchard et Fesse et fils. L'arrestation de 17 voleurs à la roulotte, dont 5 mineurs à Chenôve. 10 ont été écroulés par eux. Alain Juppé. Je serai un maire à plein temps. Les Bordelaises et les Bordelais souhaitent un maire qui se consacre complètement à la gestion de leur vie. Tout danger est maintenant écarté. Vous voyez derrière moi peut-être encore un peu de fumée et le feu a été quand même circoncis. Absolument. Le FBI reprochait à Gene Seberg son engagement en faveur des Black Panthers. Panthers, un petit coin douillet, plus au sec, où il fait bon grandir. Panthers. Alain Juppé. Je n'irai pas au gouvernement, même si on me le proposait. Je ne sais pas si on me le proposera, mais je n'irai pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à Bordeaux. Marion, comment appelle-t-on les habitants de la ville d'Antibes ? Les Canois. Pourtant, Zola va concevoir la grande saga des Rougon-Macaques. Oui. Et Macquart, pardon, Macaque. Alain Juppé. Je l'ai dit et redit, je ne sais pas comment il faut le dire, mais je n'ai pas envie d'aller au gouvernement, ni de devenir député, ni de devenir sénateur. Je n'ai pas changé d'avis et je ne vais pas changer d'avis, ni ce soir, ni demain, ni après-demain. Je suis à un stade de ma vie politique où être maire à plein temps me convient parfaitement. Le Français David Poisson termine 7e. Il devance tout de même le grand favori Didier Cuche qui lui termine 6e. BFM TV, priorité au direct. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée donc au changement de gouvernement. Premier ministre François Fillon, ça vous le saviez. Michel Alliot-Marie à la justice. Madame Michel Alliot-Marie, ministre des Affaires étrangères et européennes. Vous n'êtes pas seul, Christine Lagarde a rempilé au même poste. Finalement, ce gouvernement n'a rien de vraiment révolutionnaire. Ah si, il est totalement révolutionnaire. Ah bon ? Le principe de la révolution, c'est que vous faites un tour complet à 360 degrés. Le président de la République a nommé Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Je serai un maire à plein temps, je n'exercerai pas de fonction gouvernementale ou de fonction élective. Monsieur Alain Juppé. Et d'ailleurs, je ne serai pas le seul dans cette situation. Ce n'est pas la première fois qu'un ministre est également maire d'une grande ville. Et voilà, bravo Serge. Le pauvre Alain. Il est fort. C'est toujours savoureux. Ouais, ça fait toujours plaisir, ça marche toujours. À demain, même heure, merci, Serge Liado. Et on va rester dans la politique puisque je vais vous parler d'un député. Non, reparlons de poker, c'était bien le poker. Un député qui s'appelle Édouard Courcial, député de l'Oise, et il a perdu une dizaine de kilos. Pour quelle raison ? Ah, il a fait une grève de la faim ? Non. Non. Pour passer à la télé ? Non. Il n'aurait pas perdu au poker ? Non. Il a vendu son or ? Ah, non. Attendez, ça me dit quelque chose. Il ne va pas être filmé. Attendez. Bah, il était ami avec Philippe Séguin. Non, il déjeune plus avec lui. Attendez, il va se retrouver dans l'actualité. Et C'était drôle, ça. Ouais, ça m'arrive parfois. Hein. Plus personne ne m'écoute. Non, alors aucune télé-réalité dans l'affaire. Non, pas une télé-réalité, mais il va se retrouver dans l'actualité. Non. C'est le Canard Enchaîné qui nous révèle cette information aujourd'hui. Édouard Courcial, député de l'Oise, a perdu une dizaine de kilos. Député de quel bord ? Député, je crois, UMP. Ah, est-ce que ça a à voir avec une visite que Nicolas Sarkozy aurait rendue ou devait rendre là où il était ? Non. Et il savait qu'il serait pris en photo, il voulait avoir non. l'air joli. Ah, ou alors non, il a, sur son testament, il a mis qu'il voulait se faire incinérer et il passait pas dans non. le... Non.
Non, c'était pas dans l'Oise qu'il avait reçu une bouteille d'eau d'un non, étudiant. Non, aucun rapport avec et ça. Et il a ça à voir avec Dassault. Non, non. C'était volontaire. Oui, volontaire. Ah oui, il a fait exprès de perdre 10 kilos. Il a fait le régime du camp. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec les Miss France? Du tout. Ah, pour entrer dans la vie du préfet des précédents. Ah non, 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 non. Il y a bien un maire d'une ville ou un député qui a perdu des kilos pour présenter les Miss France. Ah non, mais ça, c'est pas ça. Pour présenter la. Ah, pour entrer sur le banc de l'Assemblée nationale. Non, 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 non. Mais combien il pesait à la base? Ah bah, écoute, j'en sais rien. Il a perdu 10 kilos. Voilà. Posé 108 et 80. Il a fait un régime. Écoutez, c'est pour être exposé quelque part. Enfin, en tout cas, pour être. Oui, pour. Oui et non. C'est de la coquetterie. Il a perdu 10 kilos parce que quand il allait faire pipi, il ne voyait plus son zizi. Il a perdu 10 kilos parce qu'on lui a conseillé de perdre 10 kilos. Ah, d'accord. Alors, c'était un mec qui va travailler à la santé. Il a arrêté de fumer. Il a pris du poids. Non. C'est médical ? C'est pas médical. Mais alors, c'est pas par coquetterie, c'est pas médical. C'est pas par coquetterie, c'est par. Je peux pas. Obligation. Dire. Non, pas par obligation. Par choix ? Bah oui, par choix, oui, on décide, il a décidé. Mais il a décidé de maigrir. Et c'est pas pour une émission de télé. Non, je vous dis je non. Je comprends pas, attendez. Soit c'est médical, soit c'est coquetterie. Ah, à cause du médicament Mediapart ? Non. Mediator. Non. Mediator. Mediator. Le médicament le Mediapart. Le médicament qui se fait voler le sur l'ordinateur. Ça, c'est celui de Sarko, celui-là. Oh mon Dieu. Non, justement. Alors, parce qu'il y a un ascenseur dans les bureaux. Non. Il dépassait le poids. Non, non, non. Il l'a fait par amour. Non, pas par amour. Voilà pourquoi on peut maigrir. Voilà, peut-être. Ça, c'est pas bête. Pour les vacances, amour. Pour la piscine. Parce que chaque fois qu'il plongeait dans la piscine, il a vidé. Par conviction. Pas par conviction. Parce que c'est le sosie de quelqu'un, mais vu qu'il a grossi, c'est plus le sosie de. Non. C'est quelqu'un qui lui a conseillé de perdre 10 kilos. Hein. Et c'est quelqu'un, mais attendez, c'est quelqu'un qui a conseillé, mais quelqu'un qui l'a écouté surtout. Ah bah oui. Est-ce que c'est pas Nicolas Sarkozy qui lui aurait conseillé? Pas directement. Pas directement. C'est le porte-parole de l'Élysée. C'est Brice Hortefeux. Et ben Brice Hortefeux lui a dit: tarte ta gueule si tu veux rester député, t'as intérêt à perdre du poids. Mais c'est un ancien flic. Non. Il n'est pas député. Il vient d'entrer au Conseil constitutionnel. Non, il est député. Si tu veux être ministre. T'as intérêt à perdre du poids. Bonne réponse de Caroline Diamant. Exactement. Vous voulez dire que de tous les défauts que j'ai, c'est le poids qui m'empêcherait de rentrer au gouvernement? Bah non, regardez Xavier Bertrand. Il a pris, hein. Ben oui, alors, attendez, justement, oui, Brice Hortefeux s'était mis. Je vous dis ce qui a été écrit dans le Canard Enchaîné. Hein. Ah ouais. Brice Hortefeux s'était mis dans la tête de faciliter l'entrée au gouvernement d'un de ses proches, le député de l'Oise, M. Édouard Courcial. Et pour atteindre cet objectif, rentrer au gouvernement, il lui a conseillé de faire un régime parce que Nicolas Sarkozy n'aime pas les gros. Donc, M. Courcial s'est exécuté, il a perdu 10 kilos, ah, c'est bon, mais c'est là, s'il n'est pas rentré pas au gouvernement. Mais là, c'est la dépression, là il a bouffé un pot de Nutella direct derrière. Déception, bouffe. C'est pour ça que David Douillet, il n'a pas eu de poste. Il a vachement maigri. Il a vachement maigri, mais c'est vrai, mais regardez que tous les ministres se font vraiment un régime d'enfer. Ah bah oui, mais Sortefeux avait beaucoup maigri. Et oui, tous. Tous. Sauf Roselyne. Je trouve ça ridicule. Quoi? Pourquoi? Je trouve ça ridicule, cette intrusion de l'esthétique dans la vie politique, je trouve ça grotesque. Ça veut dire ça, est-ce que De Gaulle était beau garçon? Non. Mais non. C'est pas Alain Delon, De Gaulle. C'est un homme politique. Très bien, bon. Tu comprends ce que ça veut dire d'être vouloir ressembler à une gravure. T'as raison, mode. Ma grosse béniche. Mais tu as raison, c'est dramatique, mais c'est le reflet de la société. Regarde bien, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ils pensent que c'est les gens. C'est le reflet de la société, il n'y a non. pas un noir, pas de. Mais non, mais parce que les gens pensent. C'est le reflet de la société, tu es en train de me répondre par la. De confondre l'hypothèse et la conclusion. Mais parce qu'ils je disent. Je te dis justement dans... que cette société-là. Où il faut être maigre et machin et bien rasé et tout ça est une société qui met la charrue avant les bœufs. Tu as raison, on n'empêche que visiblement c'est une société qui, enfin c'est la société telle qu'il l'aime, telle qu'il la conçoit, Nicolas Sarkozy. Je trouve que c'est une erreur. Édouard voilà. Courcial, en tout cas, a perdu 10 kilos pour rien parce qu'il n'est pas rentré dans le gouvernement. Bon, ça fait peut-être plaisir à sa femme, Mme Courcial, elle est peut-être contente, elle a pas toi. Oui, à moins qu'il plaque Mme Courcial pour prendre une petite jeune. Autant que ça serve à quelque chose. L'horreur absolue. Alors, il y a autre chose dans la presse. Ce matin qui m'a réjoui, je dois vous dire, c'est dans Libération. Et d'ailleurs, j'ai tout de suite dit à Anthony, aux gens de mon équipe, faut en acheter là, des dizaines, là, parce que là, franchement, c'est... Bon, ça coûte 30 euros, hein, mais alors moi, pour moi, c'est la révolution du jour. Tu vous en as acheté ?
Ah non, non, mais alors là, vraiment, écoutez-moi, c'est ce qui m'énervait le plus. Et enfin, ça y est, il y a quelqu'un qui a inventé ça. C'est dans la presse aujourd'hui, c'est en photo. J'attendais cette invention depuis mes débuts. Alors, il y a un truc qui serait utile, je ne sais pas si c'est ça, c'est la prise de téléphone universelle. Non, non, non. La vraie. Non, moi, je l'ai lu, je l'ai repéré. Alors, allez-y, dites. C'est ça, j'imagine, c'est le casque, les écouteurs qui font plus de nœuds, c'est-à-dire qui se zippent entre eux. Exactement. C'est la révolution. J'en parlais à peine il y a deux jours, j'en parlais. Ça y est, ils l'ont inventé. Oh yes. Tous ceux, vous pouvez pas comprendre Pierre Benichou. Ah ben moi, je peux pas comprendre, ça m'étonnerait, tiens. Tous ceux qui ont un iPhone ou un smartphone, moi, j'ai avec, quoi, moi avec des petits écouteurs, puisqu'on nous conseille de ne plus mettre le téléphone sur l'oreille. On a maintenant, quand on veut évidemment se protéger, toujours un petit casque qu'on se met dans les oreilles avec les fils qui pendouillent. Sauf que combien, si on téléphone 20 fois par jour, 30 fois par jour, 30 fois par jour, il faut démêler les fils. Tu fais un Scooby-Doo, quoi. Du casque, parce que 30 fois par jour, les trucs se mêlent. Et c'est absolument mais impossible, énervant. On prend, il faut 3 minutes avant de téléphoner, de passer un coup de fil. Exact. Et là, ça y est. Ça y est. Wow. T'as pas dit zip. Ça y est, ils viennent d'inventer. Ils vont se faire des couilles en or. Le style indémêlable. Pourquoi on n'invente pas un contre-projet à 25 euros On les grille. Les écouteurs qui se zippent. Un peu alors comme une fermeture éclair en plus, Stevie. Les écouteurs braguettes. Oui, mais en fait, t'as rien qui sort quand tu l'ouvres. Ah ouais, mais on va plus perdre de temps à démêler les fils. Non, mais c'est une excellente idée. Parce que moi, dans mon sac, ça me rend fou. On les zippe où? Ils s'accrochent, les deux fils s'accrochent. Entre eux. Ça fait un gros fil. Ah, d'accord. Ah, ouais, ah mais alors, t'es obligé d'avoir les deux oreilles, une très petite tête. Tu sais, la conne, t'as pas compris. En tout cas, voilà, ça coûte 30 euros et c'est l'invention du jour. Ah, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Benichou, Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak, Stevie Boulet au téléphone, deux auditeurs. Quoi ? C'était Stevie Boulet au téléphone. Non, c'est là, il est à côté. Là. J'enchaîne, je vais vite. D'accord. On a pris du retard. Bon, on finira à la même heure quand même. Oui, bien sûr. Claire Marie est à Jaudray, en Eure-et-Loir. Bonjour Claire Marie. C'est gagné. À demain. On y va, allez, bon, on enchaîne. Non, quand même, on va demander ce qu'elle fait dans la vie à Claire Marie. Juriste, c'est-à-dire très exactement, vous donnez des conseils juridiques? Je travaille dans un ministère qui vient de changer de ministre. Ah, donc vous êtes bientôt au chômage? Voilà. Vous aviez Madame Michèle Alliot-Marie et vous avez maintenant Monsieur Mercier. Voilà, exactement. Nous avons Monsieur Mercier. Vous l'avez vu déjà, le nouveau ministre? En photo seulement. En photo. Il se porte bien, remarquez-lui, il est rentré au gouvernement, il n'a pas fait de régime. On n'est pas sûr qu'il soit rentré dans son bureau, mais... il porte le nom de la comédienne qui jouait Angélique, donc peut-être c'est pour ça. Oui, moi j'ai cru qu'on allait avoir Angélique Marquise des Anges, Quel rapport, je comprends pas. Angélique Marquise des Anges. Ouais. Elle s'appelait comment? Michèle Mercier. Donc ils ont le même nom. Ben bravo. Mais oui, d'accord, mais quel rapport? Mais alors, mais quelle connaissance, cette Caroline Diamant? Bon, Claire Marie m'a compris. Hein, Claire Marie, on s'est comprise. Elle va sûrement pas gagner, Claire Marie. David est à Fresnes-sur-Escaut. Bonjour, David. Tant mieux pour moi. Bonjour, salut David. Oh, l'opportuniste. Ah, il est du Nord, il est ch'ti, David. Ça y est, je suis du Nord. Ouais. Et il fait quoi, David, dans la ville, lui? J'ai un métier qui devrait me faire adorer Christine Bravo. Il est routier. Voilà, je suis routier. Mais moi, je l'aime pas, Christine Bravo. Ah, ça c'est drôle. Tu préfères Caroline Diamant, hein? Ah, exact. T'as un gros camion pour avoir un poster de Caroline Diamant? Ouais, j'ai un gros camion, il y a de la place. Il y a de la place, c'est bon. Pas de problème. Bon, David contre Claire Marie, un routier face à une juriste. Et voici la question qui peut-être vous permettra de gagner notre séjour au sport d'hiver offert par les clubs de vacances MMV pour vivre la montagne autrement dans une des stations des Alpes de votre choix. Monsieur Francis Leblé fut un maire qui décéda en 1982. Pourquoi en reparle-t-on régulièrement en ce moment? Il est mort pour sa commune? Comment ça, mort pour sa commune? Il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Ah oui, mais enfin bon, pas pour sa commune. Il est mort pour sa commune. Je sais pas, il voulait inaugurer un balcon et le balcon, il tombe, je sais pas, un truc... Gastronomique, non? Pardon? Ça a un rapport avec la gastronomie, non? Non, du tout. Francis Leblé fut maire jusqu'en 1982. Il est décédé, d'ailleurs, brutalement, en juin 82. Pour quelle raison en reparle-t-on régulièrement? Il a donné son nom au stade dans lequel joue une équipe de foot. Ah oui, exact. Vas-y, Claire-Marie! Attendez, Claire-Marie, il faut... Celui de Brest. Et pourquoi on en reparle souvent en ce moment? Parce que le
Brest est promis du championnat. C'est clair, David. Faut pas... C'est moche, ça, David. David, c'est moche, là. Hein. Bah ouais, là, tu peux pas doubler, là. T'étais à 90. C'est Claire Marie qui a gagné. Non, non, Claire-Marie a été, il faut être honnête, la première à dire que monsieur Francis Leblay fut maire de Brest. Ensuite, elle a dit quasi en même temps, effectivement, que David, que Brest, c'était leader du championnat. Enfin, ça, c'est le dernier truc qu'ils aient dit. D'abord, que Francis Leblay avait été aussi le nom du stade. Et effectivement, fallait aussi ajouter après que Brest était premier du championnat depuis maintenant 2 semaines. Et voilà pourquoi on parle régulièrement de Francis Leblay. À cause du stade Francis Leblay qui porte le nom du maire de la ville. Il fut maire de Brest de 77 à 82. Bravo Claire-Marie. Merci. Qu'est-ce qu'il y a David? Il fait la gueule dans son coin. J'ai quand même le droit à un petit cadeau de consolation. Ouais, ouais Christine, bravo, on vous l'envoie. Non mais on va vous envoyer le DVD de Michael Gregorio. Il est au Bataclan en ce moment. Vous ne pourrez peut-être pas aller au Bataclan, bah vous regarderez le spectacle chez vous. Voilà, c'est pour vous David et vous Claire-Marie. Vous partez pour les sports d'hiver. C'est sympa quand même. Ah ouais. Nous aussi, on ira à nouveau ensemble. Où est-ce qu'on part d'ailleurs? À l'Alpe d'Huez. À l'Alpe d'Huez. Ah, quand, ah ouais. On part quand? En janvier. En janvier. Merde, Patrick Sébastien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit merde, j'ai Patrick Sébastien. Non, vous partirez avec nous. Et alors, je vais vous dire, de toute façon, je vous oblige à venir à Bruxelles avec nous. Et à l'Alpe d'Huez. Ah, si, l'Alpe d'Huez, j'irai. Ah non, non, mais à Bruxelles. Non. Ah si, si, à Bruxelles, vous êtes obligé de venir. Je suis obligé? Ah oui. Alors d'accord, avec plaisir. Ah non, non, mais à un moment, il faut quand même un peu. Non, faut que je fasse le patron ici. Hein. Je veux bien venir à condition que Caroline vienne avec nous à l'Alpe d'Huez et qu'elle me jure de tomber sur la patinoire. Peur. Ouais. Et qu'après elle dit, oh là là, ma petite jambe, tu sais pas ce que c'est et tout. Pauvre chérie, raconte. Bon, dis donc, j'ai eu très mal au cul. Hein. Moi aussi. C'est vrai qu'elle a été tombée sur la patinoire, la pauvre. Vous allez revenir avec nous. On s'en souvient toutes les deux, oui. Vous allez revenir quand même. Oui, je ne suis pas rancunière. Bah, j'espère que ça se passera mieux pour vous, Claire-Marie, quand même. Hein. Vous partirez dans les Alpes pour 4 personnes, un séjour, quand même. C'est pas mal. C'est hein, bien. Ça. Voilà qui va aussi concerner peut-être Caroline. Ça se passera le 10 décembre. Prochain à Paris. C'est une élection. Oh, Miss France ? Non. La fille pas prétentieuse du tout. Le 10 décembre. Miss Poix. Ah, les bonnes tavanes, tu sais. Bonne réponse de Stevie. Non, Miss, ça n'existe pas. Je vois même pas. Mais si, ça existe. Miss Ronde, ça s'appelle. Ah, Miss Ronde, Miss oui. Poix. Bah, c'est pareil. Hein. Le bah non. 10 Miss décembre, Poix, il y aura un concours Miss Ronde à Paris. Bonne réponse de Stevie Boulet. Et pour être. Il y a une limite d'âge. Tu vois, ça, c'est un très bon titre, ça. Pourquoi ? D'avoir eu l'idée de faire cet rapprochement avec Miss Monde. Et d'avoir fait Miss Ronde pour la femme la plus grosse, je trouve formidable. Ah, j'avais même pas compris, bah moi. Ouais, ah oui, Miss Ronde. Non plus, Miss Ronde. Oh là là. Et pour être qualifié, il faut être passé à partir de combien de. Il faut être ronde, hein. Il n'y a pas besoin de. Effectivement, c'est pas tout à fait Miss Poix, parce qu'on peut peser peu et être ronde. Ouais, c'est vrai. Être petite ronde. Si c'est que de l'eau, oui. Oh, c'est rare, hein. si c'est que de l'eau. Moi, j'en cherche beaucoup, parce que dans mon ascenseur, je peux pas monter. Et j'essaye de prendre des filles de 42 kilos qui sont bien rondes. Bon, c'est pas toujours contre vous. C'est rare. La ronde et maigre, c'est rare. Hein. Ronde et maigre à la fois. Oui. Oh, c'est rare. Dans ma vie, j'en ai eu 7-8, pas plus, je vais te dire un peu. Toi, t'es plutôt ronde et ronde, toi. Hein. Cadillac Moon 1980. Ça vous dit quelque chose? En tout cas, on en parle beaucoup depuis quelques jours dans l'actualité. 1980. Cadillac Moon 1980. Ah, c'est la voiture de James Bond? Du tout. Oh non. C'est un anglais en douille. C'est le disque qu'on va écouter? Non, non plus. Non, non, mais ça a un rapport. Ça fait musique. C'est Rita Cadillac. Ah, Dick Rivers. Non plus. Cadillac Moon 1980, c'est ça? 1981. Depuis maintenant au moins une semaine, on parle beaucoup de Cadillac Moon 1981. Est-ce que c'est un rapport avec un film? Du tout. Avec de la musique? Du tout. C'est une discothèque? Non plus. Avec de la politique? Non plus. Avec Mitterrand? Non plus. C'est un rapport avec quelque chose? Oui. Et c'est en France? Oui, en ce moment. C'est artistique? Oui. Ah, c'est une exposition? Oui. De photos? Non. Non, mais alors de peinture? De Cadillac et de lui? C'est une exposition de peinture, c'est un rapport depuis une semaine? Je sais. C'est le tableau de Basile. Ce que j'allais le dire. Vas-y, toi alors.
Vas-y alors, Caroline. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais Joujou. J'insiste, vas-y, vas-y. Non, Joujou, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Joujou. Elle le sait pas, de toute façon. C'est pour ça que j'insiste. Ouais. Mais non, c'est Joujou, vas-y. Attends, je vais pas lui griller. Non, 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 non. Mais non, je sais pas, bande de con, bien sûr. Est-ce que c'est le tableau de Basquiat qui a reçu un coup de marqueur au musée d'art moderne? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oui, mais ça suffisait pas. Non, ça, mais je savais. Basquiat, ça n'aurait pas suffi. C'est la toile de Basquiat qui a été abîmée. On a cru qu'elle avait été abîmée pendant qu'elle était exposée à Paris au musée d'art moderne de la ville. Et puis en fait, non, elle était déjà abîmée avant qu'elle arrive chez nous. Bah oui, donc finalement, on l'a remise à l'exposition, puisque de toute façon, ça ne s'est pas passé ici. Ça s'était déjà passé avant. Et c'est ça qui me fait rire d'ailleurs, c'est que la semaine dernière, quand ça a été annoncé qu'il y avait eu deux coups de feutre sur la toile, je regarde la photo de la toile et j'arrivais pas à savoir si c'était la photo de la toile avec les coups de feutre ou sans les coups de feutre. Bah, c'est sûr. Parce que de toute façon, ça ne change rien. Parce que Basquiat, c'est pas un. Hein. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a une différence entre l'art d'aujourd'hui. Oui. Et pourtant, j'adore Basquiat, hein. c'est pas la question. Mais quand même, il y a une vraie différence. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez foutre un coup de stabilo, un coup de machin sur le truc. Oui, alors que, tandis si, que fais... si vous le faites sur la Joconde, on s'en aperçoit, vous voyez. Ouais, ça, c'est sûr, ça fait des moustaches Hitler, tout ça, c'est un peu ridicule. Mais c'est vrai, c'est... Non, c'est sûr. On peut pas nier ça quand même. C'est vrai. Mais c'est vrai que Caroline l'avait trouvé. Hein. Elle l'avait écrit sur son truc ici. Ah bon? Ah, Ajaccio l'avait mis. Ça lui rapportait quelque chose, Bastien, c'est drôle. Ah oui, Bastien, Ajaccio. Oui, alors écoutez, Pierre, vous allez vous reposer. C'est une blague régionale corse. Bientôt va y avoir Vermus et l'invité d'honneur. Donc si vous coincherez de vous, je commencerai votre sieste maintenant. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour à nouveau, Paul. Ouais, bonjour. J'espère que vous avez bien enquêté. Avant juste de me donner vos réponses, je voudrais signaler que j'ai reçu un mail entre-temps, un mail d'Aurélien qui me dit « Laurent, j'ai écouté en podcast l'émission du 28 février 2008. Bon, on me dirait, hein, c'est vrai qu'il y a plus de 2 ans, mais quand même. Je tenais à féliciter Paul Vermus pour sa nullité d'une constance assez exceptionnelle. En effet, en février 2008, le 28 février 2008, très précisément, sur votre antenne, Paul Vermus annonçait que la reine d'Angleterre allait mourir dans les 9 mois et que le prince Charles voulait sa place. Je tiens à signaler à Paul Vermus que la reine est toujours vivante et que le prince Charles a décidé depuis qu'il laissait la place à son fils. Écoutez, je pense que j'ai été manipulé par des esprits mal intentionnés. Oui. De toute façon, je ne peux pas prévoir la mort de quelqu'un. Je ne suis pas Madame Soleil, hein, je ne suis pas une pythonisse, je ne suis pas voyant. Je crois qu'il a mal écouté, j'ai dû parler au conditionnel. Bah, j'espère que vous allez vous rattraper avec la date exacte du mariage du prince William. Alors, ce que je peux vous affirmer, donc, c'est que le mariage a lieu à Londres. Hein, et la cérémonie religieuse sera célébrée à Saint-Paul. Alors, selon une source haut placée dans les cercles royaux, 2 jours ont été bloqués sur l'agenda du palais, les 3 et 4 juin. Alors, je me libère. Ensuite, les 3 et 4. Mais Laurent, j'ai appelé Clarence House. Clarence House abrite le secrétariat du prince Charles et ses fils William et Harry. Et je me suis fait passer pour service de presse de la principauté monégasque. Waouh, bravo. Et ça a fonctionné puisque ils m'ont donné la même date. Vous avez changé votre voix ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Pour pas qu'ils vous reconnaissent. T'as pris l'accent monégasque ? Non, le service de presse de la principauté. Tu t'es mis les fausses moustaches ? Collaborateur, hein. Si, il s'est bien phoné des lunettes. Pour téléphoner, attendez, le con. C'est là où je vous dis que je suis certain de ma date. Bravo. Hein. C'est que le service de presse de Buckingham dit la même chose que Clarence House. 3 et 4 juin. 3 et 4 juin. Et je peux vous dire que le mariage, et ça, je le sais aussi de bonne source, coûtera 47 millions d'euros. Ce sera enregistré. C'est pas indécent du tout en ce moment. Qu'est-ce non. que c'est, 47 millions 47 millions On retient d'euros. Les dates. Hein. On espère que vous ne vous trompez pas, Vermus. Restons dans les mariages, puisque qui dit mariage dit divorce. Je suis pas Stromae, mais c'est pas qui loin. Qui dit mariage dit bonheur aussi, monsieur. Oui. Et Eva Longoria et Tony Parker, alors est-ce que c'est vrai ou pas vrai ce divorce? Ce que je peux vous dire et vous affirmer, Laurent, c'est que les papiers du divorce ont été remplis et déposés par Tony Parker au palais de justice de Beskar Country, Texas. 2 sources judiciaires confirment la nouvelle. Non. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le lendemain, le porte-parole d'Eva Longoria démentait. Alors bon, il faut savoir que cette rumeur est partie d'abord du site People américain TMZ, qui est un site très célèbre, et le même site a démenti le lendemain. Alors bon, il y a comme un vent de folie, et il faut partir du principe qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Wow.
Il y a de l'eau dans le gaz dans le couple, hein. On parle même d'infidélité. Il n'y a jamais de fumée sans feu, il y a de l'eau dans le gaz, ça va sauter. C'est un festival. Tout le malheur du monde vient justement de cette phrase stupide, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, il y a des fumées sans feu. En tous les cas, il y a une information, une contre-information. C'est vrai qu'il y a un vent de folie aux États-Unis. Alors ce qui est étonnant aussi, et ce qui contredit ce que je viens de vous dire, Laurent, c'est que le clerc du tribunal chargé des dossiers scellés, au tribunal, il affirme qu'aucun dossier n'a été déposé. Ah ben ça alors. Où est la vérité ? Non mais vous avez dit quelque chose d'important, Paul. Vous avez parlé d'une rumeur d'infidélité de quel côté ? Je pense que ce serait du côté d'Eva. Et avec qui ? Là, vous m'en demandez trop pour le prix où je suis payé. Je peux pas aller plus loin que ce que je vous donne. Avec un mec qui s'appelle Waterman. La pauvre, elle est quand même courageuse. Elle fait l'une des plus grandes séries et elle se retrouve à Laval, à Limoges. C'est vrai, elle suit son mari partout durant les matchs. Qu'est-ce que t'as Il joue pas à Laval et à Limoges, Tony Parker. Tu rigoles ? Si, une fois, elle était à Laval. Elle était à Laval. Ça arrive une fois quand il est en équipe de France. Et ben Eva Longoria à Limoges. Sinon, il joue aux États-Unis. Bon, ça va. Tu vois, la pauvre, elle doit arriver là-bas, mais elle a pas le moral. Mais quel rapport, c'est une petite... Mais elle veut divorcer. Mais rendez-vous compte. Non, mais nous, on aime bien parce que c'est notre pays. Ouais. Mais la pauvre, elle est de Californie, Los Angeles, elle habite à Beverly Hills. Elle arrive à Laval, tu vois, t'as pas le moral. Beverly Hills, c'est 10 fois plus chiant. T'as un Auchan et un Décathlon, voilà où elle peut aller faire son shopping. C'est super, tu vois. Cette folie de l'Amérique, c'est le pays le plus chiant du monde, l'Amérique. Alors que Limoges, c'est charmant. Ah, oh, c'est génial. Oui, ça a du charme. Limoges, la gare de Limoges, comme ça. Bah, c'est l'authenticité, ça c'est clair. Tu veux de la porcelaine, tu vas l'acheter au Texas, toi. Non, mais attends. Non, une supposition au hasard. Non, mais tu peux l'acheter en Chine, hein, parce que je crois que la porcelaine de Chine est beaucoup plus ancienne que la porcelaine de Limoges. Bah, c'est ça, ils vont être contents, les gens de Limoges qui nous écoutent. Non, mais c'est vrai ce que je dis. T'as des vases de. C'est pas une question d'âge. De l'époque. De Ming. Etc., qui sont beaucoup plus anciens. Oui. Olivier Ming, qui sont en porcelaine de Limoges. Oh, voyard. Non, mais arrêtez, en fait, sérieux, attends. Qui a cassé, parce que sinon, t'as la porcelaine qui a cassé de Longwy, le vase d'Olivier Ming. La porcelaine de Longwy, elle est peut-être plus ancienne que la porcelaine de Limoges, tu vois. La porcelaine de Longwy, non, mais. Qui sait qui a la plus vieille porcelaine ? Moi, je propose que ce soit la question. Moi, je pense que c'est les Chinois, vraiment. Je pense que c'est les Chinois. Non, Paul, c'est vrai, Paul, vous êtes toujours là ? Moi, je pense que c'est les dents de Claude Sarraute. Vraiment, ce que je vous ai dit, c'est que dans le couple, ça va pas. Ah, bah, ici non plus, ça va plus. Et dans le couple Borloo et Hervé Morin, alors comment ça s'est passé, le déjeuner ? Je vous donner dans le détail. Jean-Louis Borloo et Hervé Morin sont arrivés à 13h45 au San Francisco, au 1 de la rue Mirabeau. C'est un restaurant italien. Vous étiez dans la petite salle du fond ou... Salle du fond. Je peux vous dire qu'ils sont sortis de table à 16h. Je peux vous dire qu'ils ont réservé sous un faux nom. Je peux même vous donner le menu que m'a donné Fillon. Ils ont mis Fillon pour la réservation. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme nom. Au menu, Laurent, Carpaccio. Péné à la diable. Mmh. Ils ont bu une bouteille de... Ça pourrait être péné à la diable, ils sont pénés à la diable. Attendez, vous allez voir. Ils ont bu une bouteille de San Felice, c'est un vin de Toscane. Borloo a pris 3 cafés. Ils ont trinqué joyeusement, et ça je confirme, à la santé des ministres limogés. C'est Morin qui a payé l'addition. Ah, très bien. Je peux vous dire que la table était très joyeuse et ils ont parlé de l'avenir, bien sûr. Alors, il y a un problème qui va se poser, c'est que le président du Nouveau Centre et le président du Parti Radical sont tous les deux prétendants pour prendre la tête du courant centriste. Alors, c'est ça, mais ils ont décidé quelque chose ? Ils ont décidé que chacun d'eux s'exprimera devant les instances de l'autre. C'est-à-dire que Borloo sera reçu par le Nouveau Centre lors du prochain comité exécutif et Morin défendra ses positions à l'occasion du bureau politique du Parti Radical. Mercredi prochain. Mais ils ne vont plus jamais aller déjeuner là-bas. Pourquoi ? Bah, si tu sais qu'on rapporte ce que tu as mangé, combien tu as payé, à quelle heure tu es arrivé et ce que tu as dit, tu retournes bouffer, toi ? Bah, bien sûr, mais tout le monde fait ça. À chaque fois, on dit il a mangé ci, il a mangé ça. Quand Sarkozy l'a mangé avec l'Obama, on a eu le détail, combien il avait laissé en pour boire. Mais tout le monde demande ça, c'est normal. Moi, personnellement, j'ai pas à m'en remettre. De toute façon, tu peux annoncer le menu de deux hommes politiques ensemble au restaurant. Il y a rarement des procès. Non, nous n'avons pas de prix des fraises à la crème. Non, mais c'est... Des abricots au sirop. Mais oui, non, mais c'est vrai. Laurent, durant ce déjeuner, il n'y a pas eu de question qui fâche, à part une seule. Figurez-vous que Morin a demandé à Borloo à ce que le Parti Radical quitte d'urgence l'UMP. Alors c'est le préalable, hein, une condition sine qua non pour toute formation commune centriste. Okay, intéressant, ça. Sans doute.
Très bien. Hein? Parfait. Non, ça, c'est du bon travail, Paul. L'interview présidentielle maintenant. Alors, vous êtes, j'imagine, allé aux nouvelles auprès de David Pujadas, Claire Chazal ou Michel Denisot. Absolument. Alors, bon, déjà, c'est une grande première. L'interview avait lieu au Salon Murat. Ça n'a pas été de la tarte de faire l'interview au Salon Murat. Pourquoi? 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 Voilà. Pourquoi? Parce que... il a fallu démonter l'immense table du Conseil des ministres pour installer le décor. Ouais. Vous avez vu, il y a une petite table design. Et mais alors, non, ce qui est intéressant, c'est que la table, il a fallu la remonter parce que ce matin, il y avait le Conseil des ministres. Oh, il a fallu nettoyer le salon Murat et remonter la table. Il a eu aucune info. Alors il... Carla, elle doit être fatiguée. Non, il y a un voisin, il y a un voisin qui a aidé. Michel Drucker avec un journaliste. Il y a le petit Robert, le fils du voisin du quatrième. Il est venu, il a dit, madame Carla, je vais vous donner un coup de main pour monter la table. Laurent. Oui. Laurent. Bon, au départ, mais l'idée n'a pas été retenue, les trois journalistes auraient dû intervenir chacun leur tour, un peu comme c'était jadis à l'heure de vérité. Mm-hmm. Ce que je peux vous dire aussi, parce que j'aime pas qu'on me prenne, non, prenez-moi au sérieux de temps en temps. Le président n'a pas rencontré les journalistes avant sa prestation. Ils se sont vus 10 minutes avant, c'est tout. Ensuite, il y a eu le cocktail congratulatoire et dînatoire. Oui, très vite. Tout le monde était content. Les patrons de chaîne étaient tous là, plus les conseillers Guéant, Guénaud, et le chef est parti. Et le chef de l'État. Le chef de l'État. Il est monté se coucher. Il est chez lui en fait. Le chef est parti. Il n'y a plus que du froid. Allez, on vous remercie, Paul. Notre invité d'honneur est là. Alors, je suis obligé de vous laisser. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. 17h30, 18h, chaque jour, c'est l'heure de la sieste de Pierre Bénichoux. Pierre ne trouve jamais le nom de l'invité. Je vais te montrer que je suis réveillé, là. Et il ne pose aucune question à l'invité d'honneur. Il se réveille parfois quand l'invité rentre dans le studio, il nous regarde si comme c'est ça. Process, ouais. Ouais, puis il dit c'est qui? Parce que même le nom ne lui a pas donné l'indication supplémentaire. Ouais. Et c'est que physiquement qu'il peut enfin se rendre compte. Ouais. Et encore là, il se demande qui était l'invité d'hier. Ouais. Peut-être qu'on pourrait faire un truc, là, c'est comme on fait avec Olivier de Kersauzon. C'est l'envoyer décrire l'invité. Non. Comment ça, non? Non, parce que j'aime pas dormir là-bas, je préfère ici. Pourtant, il y a une banquette là-bas. C'est bercé par les bruits qui t'entourent. Bonjour, en tout cas, invité d'honneur. Bonjour. Vous seriez content ou contente de voir Pierre Bénichoux arriver dans la loge? Ah, il fait beaucoup rire, oui, donc j'aime bien les gens qui me font rire. Est-ce que vous pensez qu'il va vous reconnaître? Oh, je crois, oui. On s'est déjà croisés. Attention, n'en dites pas trop maintenant. Plus que oui ou plus que non pour répondre aux questions de mes camarades. Vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes blonde? Oui. Vous avez des petits pieds? Normaux. Quelle pointure? 37 et demi. Exact. Oui, c'est en général, c'est ma cam, ça, 37 et demi. Mais quelle classe! Est-ce que dans votre profession, on a l'occasion de voir vos pieds, alors? Parfois. Ah! Parfois. Parfois, comédienne? Parfois. Parfois. Pas l'activité principale, visiblement. Non. Un petit indice? Ouais. Allez, indice pourri. Vous dit quelque chose à vous inviter cette chanson? Grand blanc, hein, je sens de l'autre côté. Bah, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi cet indice. Bon. Il fallait reconnaître, c'est l'interprète qui pourrait nous mettre sur... Oui, entre autres. Bah, on n'a pas reconnu qui c'est qui chantait. Bah, non. Vous jouez de la guitare, invité d'honneur? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes chanteuse? Non, pas du tout. Non. Est-ce que vous vous levez tôt le matin? Oui. Est-ce que vous êtes la femme de Titoff? Parce qu'on imagine que sa femme est obligée de se lever tôt. Pour compenser. Êtes-vous madame Titoff? Absolument pas. Absolument pas. Et vous auriez aimé d'être madame Titoff? Absolument. Pourquoi? Quel mérite d'être clair. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Titoff? Ah, il est déjà une femme très sympathique, non? Oui. Vous rattrapez bien. Vous n'êtes pas encore cougar. Ah, d'accord. Par contre, vous avez donné une petite info sur votre âge. Oh, bah dites donc, vous avez à peu près le même âge que Titoff. Ah bon? Ah bah écoutez, enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que vous soyez beaucoup plus vieille. En tout cas, on regardera tout à l'heure. Mais enfin, ok, bon, on se comparera tout à l'heure. Hein. En tout cas, on n'a pas trouvé votre métier principal qui n'est pas... Comédienne, elle a dit. Non, elle a dit aussi ou entre autres. C'est pas pour c'est la pas comédie qu'on connaît, qu'on connaît notre invité. Est-ce que vous vous levez tôt pour aller à la radio? À la télé. Ah, j'ai une idée peut-être. À la télé, oui. Oui. Ah, c'est-à-dire que vous êtes présentatrice? Oui. Oh, ça va vite, ça va vite d'un seul coup. Non, oui, alors on va pas trop du tout vite même peut-être. Voici un indice supplémentaire. En voyant notre costume, vous êtes saisi. On n'a pas souvent coutume de nous voir ainsi.
Mais malgré votre surprise, sachez cependant que notre couleur est grise de notre vivant. C'est nous qui sommes les creux-creux, les creux-creux, les crevettes que l'on attrape dans le creux. Et cet indice, alors, il vous dit quelque chose, invité ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, là, vous chantez, là. Là, je chante, je danse, je joue la comédie. Est-ce que mes camarades vous ont identifié ? On le saura dans un instant après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir... Qui se cache dans la loge d'honneur ? Là, j'ai l'impression qu'on touche au but. À, bah oui. À part Pierre Bénichoux qui est dans un profond sommeil. Pardonnez-moi de vous réveiller de temps en temps pendant l'émission. C'est un peu mon job, voyez, Pierre, de vous faire participer. De, voilà, de... C'est pas sympa, il faisait un rêve avec le prince William. Là. Mais j'étais en train, mon cher Pierre, d'essayer de vous faire trouver qui était dans... Ah bah oui, bah je cherche. Quand même, là, ça devient facile. On sait que notre invité... Non, on n'est pas trouvé Jérémy Michalak. Bah, si, j'ai une petite idée. Vous, on a dit que vous leviez tôt pour aller à la télévision, mais vous présentez aussi les émissions pas que le matin. Bon, ouais, bah, parfois, ouais. Vous avez le record des émissions très longues. Et, oui. Et, oui. Et parfois, on a fait une jolie mission ensemble, une fois. Et, oui, et vous avez remplacé quelqu'un que, dernièrement. Qui est en ce moment qui fait du camping-car. Qui fait du camping-car, ouais. Même Pierre a trouvé, c'est dingue. Il n'y a que Stevie qui n'a si, pas trouvé. J'ai trouvé. C'est vrai. Bah oui, bien sûr. Oh, bravo. Mais comment veux-tu que je ne trouve pas, j'en suis fou depuis des années. Alors attention. Il s'est réveillé. Ah. Attention à 5, puisque vous êtes 5. Je ne sais pas pourquoi je dis 5. Allez, à allez, 20. À 3. 1, 2, 3. Non, sinon, 3, on peut gagner du temps, on le fait 4, à 20. À 20, à 20. Allez, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Allez, à 30, 20, c'est Sophie Davant. Sophie Davant qui va nous rejoindre tout de suite dans ce studio. Ben, au moins, quand on fait comme ça, ça donne le temps à l'invité de nous rejoindre. Voilà, puis ça remplit, c'est pas cher. Sophie Davant. Pierre s'est levé pour Sophie Davant. On se lève tous pour Sophie. Sophie. Et Sophie animera le Téléthon sur France 2, évidemment, les 3 et 4 décembre prochains. Oh là, elle me fait une bise sur la joue. Et elle va s'installer. Bah, elle a votre âge, Sophie Davant, Titoff. Pourquoi elle a dit qu'elle serait cougar si elle était avec vous? Oui, c'est pas ça, cougar, Sophie. Oui, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Elle est charmante. On aime beaucoup Sophie Davant. C'est vrai qu'on a fait une émission sympa, tous les deux. Oui, elle était très sympa. Ouais, très sympa. C'était quoi? C'était, comment ça s'appelait déjà? Panique dans l'oreillette. On d'accord. peut parler de choses plus intéressantes. Oui. Non, c'était pour comprendre. Le téléthon. J'adore votre nouvelle coiffure. C'est vrai? Oui, c'est, oh, ça c'est plus intéressant. Elle est fraîche, elle est fraîche. Vous voulez être Premier ministre? Ça marche pas forcément. Hein. Ah, attention. Elle est très très belle. Oh, monsieur. Ah, je te jure, je serais une femme, j'aimerais vous ressembler. Ah, non, mais j'ai cru qu'il allait dire, j'étais zéro. J'ai cru qu'il allait dire, je serais une femme, je coucherais avec vous. J'ai cru qu'il allait dire, si j'étais hétéro, je couche avec vous. Ah ouais, c'est ça la logique. Il n'y a rien à redire. Le maquillage parfait, le brushing parfait. Bah là, et puis, je sors de l'antenne. La jupe, non mais la robe, pardon, la robe et la silhouette, mais c'est juste parfait. Non, un peu j'ai bien fait de venir, moi, aujourd'hui. Mais non, mais on vous avait jamais défilé ou fait des photos non, pour. Non, mais je suis naine, hein, alors il faudrait des défilés. Je trouve pas. Regardez. Ça va, Pierre. Regardez, vous êtes réveillé alors, finalement. Oui, ça le réveille de vous voir. Tu vois, moi, la différence entre Stevie et moi, c'est que moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie d'être avec toi, tandis que lui, il te dit, j'ai envie d'être toi. Non, c'est pas ce que je dis. Il est grave. Attends, je suis bien dans mon corps d'homme. C'est vrai. Et dans celui des autres aussi. Aussi, dans celui des autres aussi. Il n'y a pas de problème. Ok, je vais m'écarter d'un mètre. C'est au programme, évidemment, du lundi au vendredi en direct à 9h55 sur France 2. L'après-midi, désormais, toute une histoire à 14h, toujours sur France 2 et encore sur cette chaîne, les 3 et 4 décembre prochains, le Téléthon 2010 sur France 2 et France 3 cette fois. Mais comment vous allez faire tout ça en même temps, Sophie Davant? Bah, comme vous, je prends exemple. Mais ce qui est très dur, c'est que vous avez... pas plus que vous. Hein. Ce qui est très dur, c'est que vous avez hérité de Christine Bravo en plus le matin. Voilà, maintenant. J'ai hérité, comme moi. J'allais vous en parler. Ça doit être épuisant, non? D'hériter de Christine. Bravo le matin, ouais. Non, ça doit être épuisant. Le Téléthon, mais c'est moins. Ça va, on s'organise. Non, je ne parle pas du Téléthon, je parle de vos émissions de l'après-midi. Mais lui, parle pas sur ce ton, toi. Non, mais je ne sais pas non plus. J'aurais
Merci. Non, mais vas-y, cogne-la, Pierre. Jean, elle connasse, mais non, mais si elle comprend rien, elle comprend rien, quoi. Elle est blonde, hein. Donc, car Susan l'a bien fait remarquer. Je parle de l'émission de l'après-midi. Alors, c'est épuisant. Bon, parfois, on en enregistre trois les unes après les autres, et c'est vrai que c'est. C'est très fatigant. Enfin, vous n'allez pas vous droguer pour autant. Non, j'envisage pas ça. Mais ça, c'est vraiment. Je trouve que c'est assez télécon comme. Bah non, mais voilà, l'animateur précédent a témoigné en disant que c'était trop compliqué, trop dur à faire ce genre d'émission. À cause des gens, à cause des témoignages. C'est pour ça que c'était difficile d'entendre les témoignages. C'est pour ça que Mireille Dumas est une camée grave. Écoutez, c'est vrai que je pense qu'il a dit un certain nombre de choses à ce moment-là. Il avait besoin de se reposer, je crois. Voilà. Bon. C'est fait. C'est fait, c'est dit, on n'en parle plus. Là, il y a la cure des harpues en camping-car qui arrive. On va pouvoir respirer le grand air. Qu'est-ce que vous préférez faire? Des nouvelles émissions, ça vous change un peu, évidemment, j'imagine. C'est très différent l'après-midi. J'aime bien le matin parce que c'est un peu déjanté. Et ce qui est rigolo, c'est de passer d'un sujet sérieux, comme ce matin où on a parlé du Mediator, le fameux médicament, à des trucs les plus fous, ceux qui ont des serpents. 1 million de Français ont un serpent comme animal de compagnie. Donc on passe d'un truc à l'autre et c'est du direct et c'est interactif. L'après-midi, c'est de l'écoute. Moi, je suis très curieuse des gens, des histoires des gens. Donc je m'éclate dans ce rôle. Là, ça me plaît quand on parle d'amour, quand vous on parle aussi. Des problèmes, j'ai vous un côté psy. Et non, c'est marrant, c'est très complémentaire en fait. Pierre Bénichoux, mais alors comme ça là. Ah, devant, non, mais oui, parce que. En fait, eh bien, vous me le direz après la pub, Pierre. C'est Sophie Davant qui est notre invitée d'honneur. Et Pierre est là, Pierre Bénichoux est là, à la draguer, à la breveter de compliments. Alors, d'un seul coup, elle n'existe plus, Caroline Diamant. Ouais. Pendant deux Caroline heures. Caroline Diamant ouais. Oui. C'est qui? Mais qu'est-ce que ça? C'était avant la guerre. Pendant deux heures, vous avez dragué Caroline, vous l'avez méchouchouté, oui, vous l'avez flotté. Ah bah là, il tape de la patte, il ne sait plus où donner de la tête. Et que je te touche. Il tape de la patte. Il tape de la patte. Ah, c'est vrai qu'on a l'image. Tu veux parler meilleur à la grosse. Mais t'es gentil, attends, c'est pas méchant. Alors, je disais Sophie d'avant, tout simplement que il m'arrive de voir des fois, on joue d'être en direct comme aujourd'hui. Des fois, on fait notre émission très tôt le matin pour l'enregistrer. Ça arrive de temps en temps, rarement. Et que ces jours-là, je me lève tôt, ce qui fait à peu près 3 fois par semaine. Et le reste du temps, quand je peux rester dans mon lit et ne pas me lever à 8h du matin, je mets ma télévision et qu'est-ce que je vois en même temps que mes domestiques m'apportent mon monté et mes toasts, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Et je vois Sophie d'avant. Et pour moi, c'est un bonheur Sophie absolu. Sophie, heureusement, ne voit pas. Oui, c'est son pyjama. C'est Pierre Bénichoux en pyjama veste. J'y pensais. Heureusement que tu n'as pas le... Non. En pyjama veste. Oui. Il n'y a pas de bas. Alors, il n'y a pas de bas, mais c'est très long. C'est plus long. Mais c'est boutonné jusqu'au bas. Ah, c'est ça. Non, voilà. C'est pas boutonné, c'est normal, c'est plus long, ça a 15 cm de plus. C'est-à-dire que ça vous permet de. Tu verras qu'il me dit. Ça cache les couilles. Ça me permet de. De se gratter les couilles, non. Non, ça cache les couilles même quand elles tombent. C'est ça. Moi, je ne l'aurais jamais voulu vous dire que vous êtes à la télévision un peu cache-couille. Sophie, parfois, vous cherchez à imaginer, et évidemment, ce que font les téléspectateurs. C'est une autre race de téléspectateurs. Devine, ceux du matin. Non, mais je pensais pas spécialement et forcément à ça, mais c'est vrai que regarder la télé le matin, c'est d'autres téléspectateurs que ceux même de l'après-midi d'ailleurs. Soit ils sont au lit, soit ils se réveillent, qu'est-ce qu'ils font le matin en vous regardant? Rien, ils repassent. Il n'y a pas des enquêtes, des études? Et de savoir ce qu'ils font en me regardant, non, j'en sais rien. Je ne me pose pas trop cette question. Le pire, c'est pour les gens qui font des émissions le samedi soir. Là, t'imagines ce qu'ils font, les gens qui regardent. C'est vrai. Ah oui, surtout entre minuit et 2h du matin. Oh là, oui, ça doit être cochon, ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils regardent encore 12 ans après. Donc, c'est ça qui est assez surprenant. Je faisais il y a une dizaine d'années une émission avec Michel Cotta, qui était le dimanche à 11h30. Ouais. Et le dimanche à 11h30, on s'est aperçu que c'était le moment où les gens, après la grasse matinée, les enfants et tout ça, faisaient l'amour le plus de la semaine le dimanche vers 11h30 du matin. Ah oui. Alors on a pensé, comme il y avait moins de chaînes à l'époque, que un sur deux mecs qui faisaient l'amour nous regardaient pendant le truc, et toute ma majestuelle a changé complètement. Pendant alors si moi j'ai quand même une anecdote là-dessus, j'étais à Deauville l'autre jour et il y a un monsieur très charmant qui vient me voir en me disant votre émission du matin est absolument formidable. Je dis ah bon, bah, c'est gentil. Il me dit oui, je travaille dans une maison de retraite.
retraite. Et dès que l'émission commence, je mets toutes mes personnes âgées devant. C'est génial parce qu'au bout de 5 minutes, ils dorment. Ça fait plaisir. Ouais. C'est bien. Voilà, j'ai eu un petit coup au moral. C'est au programme, toute une histoire et le Téléthon. Combien de Téléthons vous avez fait, Sophie ? Alors, j'ai commencé en 98. Enfin, j'étais là dès le départ, mais en animateur. Actrice centrale en 98. Voilà. Ce sera avec Nagui cette fois encore. Avec Nagui, on sera en direct. Lui sera à Troyes, moi je serai à Pau. Il y a un direct de Melun et puis on se retrouve le samedi sur le plateau central. Il a été question que le Téléthon soit différent. Alors, est-ce que c'est pour cette année ou c'est pour l'année prochaine ? Non, cette année non. Il y a une réflexion autour de ça, mais bon, il n'est pas question que France Télévisions se désengage du Téléthon. Il y a une réflexion sur la manière de produire cette émission et voilà. Donc ils sont en train de réfléchir là-dessus. Ils attendent un compte rendu du CSA là-dessus. Caroline Diamant, des questions à Sophie Davant que vous connaissez, que vous avez croisé déjà. Je ne suis pas jalouse. Il peut y avoir une autre blonde dans l'équipe. Mais attendez, tout ce qui peut me soulager des ardeurs d'un tel étalon pendant une demi-heure est bienvenu. Non, oui, je connais Sophie. Elle joue au poker ? Non, je ne la connais pas par le poker. Non, on dîne de temps en temps. Ah bon ? Oui. Entre filles. Entre filles. Ah bon ? Mais ouais. Vous avez... c'est pour m'inviter. C'est vrai qu'on devrait faire des invités d'honneur à ces dîners de filles, d'ailleurs. Oui, tu as raison. Non, ouais. Mais c'est trop privilégié. Alors, qui a d'autres ? Il y a des canons, des super canons. Allez, des non, filles. Mais attends, c'est ce que. Ah, bah oui, on veut savoir les noms. Non, mais deux fois par an, deux ou trois fois par an. Japonais, c'est des sushis, tout ça. Non, mais qui a comme fille ? Non, mais on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit de le dire, c'est secret. C'est un pacte secret. On en tient deux, alors. Voilà. Il y a Christine Bravo aussi ? Non. Vous êtes tranquille. Mireille Dumas aussi ? Elle dit que des canons. Mireille Dumas aussi ? Claude Sérillon aussi ? Qu'est-ce qu'il a avec Claude Sérillon ? C'est la fixette de Pierre depuis 15 jours, c'est Claude Sérillon. Je sais pas ce qui. C'est depuis qu'il t'a posé la question. Ceux qui ont des cheveux roses et tout ça, c'est bien. Il fait le Téléthon avec vous ? Claude Sérillon ? Il l'a fait à une époque. Non, en fait, je l'ai remplacé. Ah bon ? Bien joué, ma poule. En fait, je suis spécialiste des remplacements. Bah oui, mais écoutez, ça vous porte chance. Pas mal. Hein. Pas mal. On vous retrouve dans un instant. Vous restez avec nous jusqu'à 18h, Sophie. Alors, il faut quand même que je fasse réécouter à Sophie Davant cette première chanson. Ah bah alors, écoutez, on peut peut-être jouer alors. Ah oui, ah oui. Qui est Thomas Pontier et quel rapport a-t-il avec Sophie Davant ? C'est sa première chanson ? Non, oui, je pense que c'était sa première chanson. C'est son fils qui chante ? Moi, je peux même vous dire un truc. Je pense que c'est aussi sa dernière chanson. Je pense que c'est la seule. Il a représenté la France à l'Eurovision Junior, animé par Sophie Davant. Vous vous en souvenez maintenant, Sophie, de Thomas Pontier ? C'était en quelle année, ça ? C'était l'année dernière. Vous avez animé ça à l'Eurovision Junior, quand même. Ouais, c'est vrai. Alors, avec Pierre Sled. J'ai l'impression que c'est plein de bons souvenirs. Hein. Ouais, c'était super. Qui se souvient de Thomas Pontier, le représentant de la France ? Il avait gagné ? Je ne crois pas. Mais non. Bah non, c'est pas le dernier qui a gagné. C'est DJ, c'est Pascal. Vous qui devriez savoir. Elle me pose la question. Ouais. C'est pas moi qui ai animé l'Eurovision. Genre, elle te prend en défaut. Tu sais, il a gagné ou pas ? Bon, c'est elle qui a animé en plus. Alors, et il a fini combien ? Alors, monsieur Laurent Ruquier. J'en sais rien, oui moi. Ou non ? Oui, cette ou chanson, non. Alors. Ah oui, c'est une pièce qu'ils ont faite pour France 2. C'est pas ça ? Trois jeunes filles nues, c'est ça ? Les trois filles nues. Voilà. Oui, c'est le projet d'Olivier Ming. Il y avait une chorégraphie, j'étais habillée en crevette. Avec Isabelle Martinet, Christelle Ballestero. Les crevettes. Non, vois, là, quand c'est je m'habille en crevette, on me prend pour un énorme boulot, là. Vous, une langouste. Elle est déjà faite, la vanne. On va vous tester. Alors, par exemple, si j'avais mis ce troisième indice, Sophie. Il me dit c'est plus drôle. Indiana Jones. Non. Presque. Vous avez animé Fantôme quoi ? La piste de Xapatane. Ouais, ouais, exactement. Ça, ouais. Vous avez animé ça à combien de temps, la piste de Xapatane ? Une saison, 20 prime. Et c'était assez novateur, cette émission. Parce que donc, j'étais une fille qui conduisait un 4x4 avec 8 candidats debout derrière, qui était assez ridicule. Et je trouvais que c'est une image assez moderne de la femme aventurière, etc. C'est pas l'année où Thomas Pontier a gagné l'Eurovision Junior. La qualification. Dernier français. Qui a gagné l'Eurovision, c'est Jean-Claude Pascal. Merci. Mais écoutez bien, merci Tonton Merguez. Merci Tonton Merguez. Tonton Merguez. Tu sais, c'est apparu que c'est l'anecdote de ton papy qui arrive. Remets une bûche.
Non, je prends, je suis en train de prendre un... Je suis désolé. Sacré tonton merguez. Je suis désespéré parce que je prends un virage à la El Kabash. Après avoir fait trembler tout le monde se fout de ma gueule. Ça, c'est drôle. Eh ben, ça, c'est drôle. Tu t'es mis tout droit d'un coup. L'indice numéro 7 maintenant, parce que c'est quand même votre actualité. C'est le générique du Téléthon qu'on entendra les 3 et 4 décembre prochains sur France 2 et France 3. Vous connaissez déjà les chiffres porte-bonheur pour le Téléthon, les numéros de téléphone. Oui, 36, 37. C'est toujours 36, 37. Toujours 36, 37. Ça ne change pas. On a cru que t'allais dire, vous connaissez déjà le gagnant. Qui sont cons ici? J'ai eu très peur. Vous connaissez déjà le gagnant du Téléthon? Le gagnant du Téléthon, ce sont effectivement tous les enfants qui sont sur le plateau, qui gagnent tous en fonction des dons donnés au 36, 37. Comme l'art. Bien joué. 36-37. C'est Anne Roumanoff cette année qui sera qui est la marraine, marraine du Téléthon. C'est au programme tous les matins, toute une histoire l'après-midi, le Téléthon. Peut-être que vous êtes un peu l'animatrice symbole fétiche de France 2, non? Madame France 2. Oui, si vous voulez, ça me fait plaisir. J'en connais, pas d'autres, Madame France 2, non? Daniela Lombroso. Ah bah non. On ne parle pas des intellectuels. Mauvais exemple. On ne parle pas des professeurs d'université. À la limite, c'est Miss France 3. Mais on a monsieur, on a monsieur et madame France 2 alors. C'est qui monsieur France 2? C'est toi? Enfin, Laurent. Ah bah non, non. Si. Ah bah non, si, Laurent, ah non, c'est Michel. Tu veux être madame, tu veux être madame France 2, c'est ça? Tu veux être mademoiselle France 2, c'est ça? Moi je suis mademoiselle France 2. Non, c'est Michel Drucker, monsieur France 2. Non, mais ça c'est le doyen, c'est pas la même chose, il est hors catégorie. C'est pas hors catégorie. C'est remarqué, moi je veux bien être monsieur France 2 parce qu'elle est jolie, madame France 2. Merci, si je fais un joli coup. Et alors si vous faites des bébés, ça fait quoi? Bah ouin ouin. Ok, bon, je suis désolé. C'est le moment. Bon, écoutez, j'ai déjà réussi, Sophie, à vous refiler, Christine Bravo. Si je peux vous en donner un ou deux, hein, n'hésitez pas, revenez quand vous voulez. Merci Sophie d'avance. Merci à vous.